Bonjour. Salut. Je suis en train de te regarder en train de découper. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Alors, je suis Étienne Mineur, je suis designer, j'ai 51 ans, voilà, j'ai fait les arts déco il y a très longtemps, donc je suis rentré en 1987, voilà, je suis sorti en 92, et j'ai toujours travaillé en tant que designer dans le numérique, sur les supports numériques, donc les premiers, même Minitel pour tout vous dire, les CD-ROM, les bornes interactives, après les téléphones portables, les sites web, les choses comme ça. Et il y a une dizaine d'années, comme vous le voyez, j'ai décidé de revenir au support papier, vers 40 ans. Je me suis dit, bon, ça y est, j'ai pas du tout fait le tour, mais je me suis dit, bon, je suis sûr qu'il y a des choses très intéressantes à faire avec le papier. Et l'idée, c'était de revenir avec le papier, bien sûr, mais en utilisant cette petite chose qu'on a dans la poche. Il y a 10 ans, ça venait d'arriver, en disant les deux, on peut lier le papier et le numérique. Les deux, il y a plein de choses à faire et de ne pas essayer d'opposer le numérique au papier. Et là, l'idée, ça a été de développer chez Volumique. Donc, on a créé notre société qui s'appelle Édition Volumique, où on a édité, on travaille aussi pour les autres, hein, mais on a édité plein de petits. Alors, au début, c'était des histoires pour enfants, puis c'est devenu des jeux. Les gens du jeu et du jouet sont venus nous voir et on a développé plein de mécaniques. Alors, mécaniques ludiques et des technos. C'est-à-dire qu'on a développé des technologies qui sont à nous, qui sont brevetées. Alors ça, à mon grand étonnement, hein, parce qu'au début, comme vous voyez, c'est du bricolage. Et puis tout d'un coup, on pose ça sur des tablettes, on essaye des encres, on a de l'aluminium, on a du scotch. Et puis on trouve des solutions techniques. Je dis « on » parce qu'on est plusieurs. Hein, et puis, il y en a certaines qui restent dans un coin, partout, là, dans l'atelier. Et puis d'autres, on se dit « tiens, ça peut être intéressant ». Donc ça, on va voir ce que ça donne. Là c'est vraiment... hier, hein. Commencer à faire des petites pyramides en papier, et puis ben voilà, en les faisant, en les fabriquant, en voyant ce que ça donne, en testant, en voyant avec d'autres personnes, voir ce que t'en penses ou pas, est-ce que c'est solide, est-ce que... voilà, plein de problèmes et de solutions, j'espère, et puis après on développe plein de jeux, donc on a développé, nous, depuis 10 ans, je sais pas, une trentaine d'applications, et beaucoup ludiques pour les enfants. Voilà. Donc maintenant, en ce moment, je suis vraiment dans ce domaine, c'est vraiment du design graphique, design objet, mais vraiment papier, et du game design. Voilà. Donc on est dans cet univers. D'accord. Alors on va revenir en arrière. Oui, là, je t'ai fait un... Oui, tu as déjà... Je t'ai fait un fast-forward. Tu as déjà... voilà. Non, mais là, comme ça, voilà. Je suis... Voilà. Tu as déjà défloré un peu le sujet. Mais, voilà. On va prendre le temps. Voilà, on a le temps. Avec Getting Shit Down. Du coup, bienvenue dans Getting Shit Down. Vous voyez, Étienne, il perd pas son temps. Je vous ai fait un résumé rapide. Voilà. mais alors, tu vas voir, cette interview-là, elle prend le temps de découvrir des gens. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler de ta famille? Ma famille, oui. Qui sont les mineurs? Alors, les mineurs, on est une famille, une très grande famille. Non, je rigole, on est de Bordeaux, de la région, de la Dordogne, en fait. Voilà, mes deux paternels et maternels, les grands-parents sont de la Dordogne. Moi, je suis né à Bordeaux. Par contre, Bordeaux, je connais comme ça via les cousins, mais je crois que dès que j'avais un an, mes parents sont installés en région parisienne. Voilà, mon papa était ingénieur, a fait des études de mathématiques et d'informatique en 68. Moi, je suis né en mai 68, pour tout vous dire, et c'était le premier, en tout cas à Bordeaux, première année d'informatique, voilà. Alors c'était carte perforée, hein, et pas d'écran, parce que moi j'ai appris à dessiner sur des papiers informatiques, vous savez, les gros rouleaux avec les petits ronds, les trucs perforés aux côtés, et je crois que ma mère relisait le code de mon père le soir, alors qu'elle n'est pas du tout informaticienne, hein, voilà, donc j'ai appris à dessiner sur ces monceaux de papier là, perforé. Donc voilà, moi j'ai été à côté de Poissy, pour tout vous dire. J'ai passé ma jeunesse à côté de Poissy, une petite ville qui s'appelle Vernouillet, en banlieue ouest, entre Chanteloup, les Mureaux, Poissy et Vernouillet. J'ai fait une jeunesse j'ai des très bons souvenirs. Voilà. j'ai un jeune frère qui a 2 ans de moins que moi, et j'ai fait un bac scientifique. Alors j'ai toujours dessiné, moi. J'ai toujours aimé dessiner. Donc d'où, voilà. Mais comme ça, hein. Et mes parents ne savaient pas du tout s'il y avait des professions par rapport à ça. Voilà, ma mère a fait des études de droit, et puis mon père plutôt d'ingénieur, donc pas du tout dans ce domaine. Et j'ai fait un bac scientifique, parce que je n'étais pas trop mauvais en maths, et voilà. Et par contre, à la fin du bac, moi, je voulais vraiment faire une école d'art, enfin,
Alors, je ne savais pas ce que c'était le design ni la typographie. Voilà, moi, je prenais des cours de dessin. Je faisais des natures mortes, des dessins nus, des choses comme ça. Un tout petit peu de BD, mais pas beaucoup, en fait. Je n'étais pas très bon là-dedans. Je ne suis pas capable de synthétiser par le dessin des choses très, très complexes en juste deux, trois cases. Et ben, j'ai fait une prépa art déco. Et puis là, ben, j'ai vraiment découvert ce que c'était le graphisme, le design. Ce qui était, j'en parlais hier à quelqu'un. J'étais en prépa art déco, donc... tu fais du dessin tout le temps, en fait. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu vois, moi j'ai bachoté pour avoir mon bac, que j'ai eu à l'arrache, mais je l'ai eu. Et puis après, tout d'un coup, je me suis retrouvé dans un univers où il n'y a que des gens comme moi qui dessinaient. On faisait de la sculpture, on faisait de la peinture, des pochettes couleurs. Enfin voilà, on faisait vraiment du 8 heures par jour, du dessin, et j'ai adoré. Parce qu'en fait, donc c'est là où tu sais où t'aimes ou pas. Parce que c'est vrai que quand t'en fais le week-end un peu, tu dessines un peu, tu fais des petites BD, des pochoirs pour les copains, des graffitis plus ou moins bien sur les murs et tout. Mais après, quand t'en fais 8 heures par jour, voire 12 heures, parce que tu rentres chez toi, c'est là où tu vois si t'aimes ou pas. Et puis en fait, j'ai adoré, puis j'ai eu la chance de rentrer aux Arts Déco. Puis là, j'ai découvert le design, la typographie. Voilà, je suis resté 4 ans. C'était 4 ans à l'époque. En fait, je suis resté 5 ans, moi. Mais, et puis j'ai découvert tout ça, la vidéo, l'informatique numérique. C'était vraiment le début, hein. C'est 87. Il y avait des ordinateurs aux Arts Déco. Il y avait des silicones graphiques qu'on n'avait pas le droit de toucher, qui était pour A2I, c'était une section que art et informatique, ou images informatiques, mais qui était que pour une sorte de troisième cycle. Et puis après, il y avait des Mac, à droite, à gauche, et des imprimantes laser, et puis ben, on a appris sur le tas. C'est-à-dire que nous, toute ma génération, vraiment, on a appris comme ça. Donc voilà, donc Et puis après, j'ai commencé à travailler, on en parlera après. Voilà, mais justement, voilà. Quel a été ton premier job? Alors peut-être pas comme salarié, mais ton premier vrai projet Alors mon premier vrai travail salarié, c'est en première, j'ai fait un mois ou deux mois à la chaîne. Ça, c'était... En fait, je rigole, mais ça a été vraiment... C'est là où je me suis dit, il faut que j'ai mon bac. J'ai plié des câbles d'engrenage, des câbles de frein pour Renault dans une petite boîte qui faisait ça pendant deux mois, je crois, ou un mois. Ben, 8 heures par jour. Je me rappelle encore du geste. Dans l'huile, tu prends les trucs, tu as des commandes. Voilà. Donc ça m'a... J'ai dit, ah ouais, quand même. Je comprenais pas pourquoi, au début, le mec en face de moi, à 16 heures pile, il lâchait tout. Je dis, ah bon, on va finir la commande quand même. C'est vrai qu'en deux semaines, quand la sonnerie dit 16h, ou je sais pas, 17h, je sais plus à quelle heure, toi aussi tu lâches tes trucs, toi. On travaille à la chaîne. Donc ça, j'ai fait ça. Pas beaucoup, hein, un mois ou deux. Mais j'ai pu me payer des belles vacances, parce que j'étais payé. J'étais au SMIC. Et quand t'as 16 ans et t'es payé au SMIC, t'es le roi du monde pour l'été, après. Et après, moi, j'ai travaillé assez tôt, parce que quand j'étais aux Arts Déco, parce que je maîtrisais le... Enfin, je maîtrisais, c'est un grand mot. Mais en tout cas, je travaillais sur Beigemaker. C'était avant Express. Hein. Je maîtrisais un peu ça. Donc, j'ai trouvé du travail assez vite en freelance X ou Y, parce que je maîtrisais l'outil informatique. Et en fait, ça permettait de faire des choses assez vite. Parce qu'avant, hein, faut savoir, on était en photocomposition. Donc c'était très très lourd, hein, tout ce qui était publication pour les magazines ou les choses comme ça. Et je crois que mon premier truc, j'ai fait un magazine pour le Parti Socialiste de la ville où j'étais, parce que mes parents étaient proches des socialistes. Et donc voilà, j'ai fait ça. C'est mon premier truc imprimé, je crois. Voilà. Et après, moi, j'ai tout de suite travaillé. C'était même pas des stages, j'étais payé, mais à l'Office des annonces, à l'ODA. C'est ceux qui faisaient le Minitel et l'annuaire. Et j'ai travaillé là-dedans, donc pour faire des bornes interactives, ou des piles hypercards, enfin des... Voilà. Et par contre, c'est intéressant, c'est là où j'ai commencé à travailler avec un ingénieur. Enfin, j'avais un développeur à côté de moi. Première chose que je voyais en vrai de ma vie, même si mon frère était ingénieur, mais c'est un jeune ingénieur. Là, vraiment, j'ai travaillé pendant deux mois, Jacques Campin, je crois qu'il s'appelait, ouais, c'est là, à côté de moi. Et donc ça, c'était tout nouveau, parce qu'à l'époque, hein, dans les écoles d'art fin des années 80, l'informatique ou la technique était très très loin, hein, donc on ne savait pas du tout ce que c'était, et ça s'est très bien passé, et puis j'ai découvert le code, j'ai découvert un peu cet univers informatique, et donc ça m'est resté en fait, voilà. Ça c'était une bonne expérience, donc c'était des bornes en noir, c'était dur, hein, c'était du, je sais même pas, 320-240 pixels en noir et blanc, pour la typographie, moi qui aime beaucoup la typographie, c'est un peu dur comme... passage, toi t'es aux Arts Déco, tu fais des belles affiches, tu fais en sérigraphie, enfin voilà, t'as du très très beau matériel, puis après tu passes dans la vie professionnelle et tu termines sur un petit truc pixelisé, mais en même temps c'était interactif, donc j'ai adoré, et voilà, donc c'était mon premier job, ouais, je crois, comme ça. Alors justement, t'en as parlé un peu tout à l'heure, maintenant c'est quoi ton job? Donc ça fait combien de temps que tu bosses, et c'est quoi ton job? Ça fait techniquement 30 ans, puisque j'ai 50 ans, on va dire, 51, puis moi j'ai dû commencer à 20 ans, quoi, tu vois, et donc là maintenant, techniquement, donc moi j'ai cofondé les éditions numériques, les éditions volumiques, où l'idée c'est de mélanger le numérique et le papier.
et dans un domaine ludique. Alors moi, j'adore le jeu. J'ai toujours travaillé plus ou moins dans le jeu vidéo. Alors, je cadre avec la caméra ce qui est derrière toi. Ah oui, derrière. Là, alors là, on est loin du jeu vidéo. Bibliothèque de folie. Voilà. Et puis de l'autre côté, tu as les vieux jeux vidéo aussi. Voilà. Alors en fait, je ne suis pas un gros joueur, mais j'adore le jeu. Je sais pas si, tu vois, je vais pas jouer. Si je joue pas pendant une semaine, je suis pas en manque, tu vois. C'est pas, je suis pas là, ça va pas du tout. Mais par contre, j'adore toutes ces mécaniques de jeu, à la fois jeux vidéo. Alors moi, je suis d'une génération. Tu vois, on a parlé de ma jeunesse, mais j'ai eu mon papa m'a amené un Pong. Toi, je sais pas, je devais avoir 8 ans, quoi. Enfin, toi, mon papa était assez geek. Il nous ramenait des machines et là, il a ramené un Pong à la maison. Donc deux barres et un rond. Alors, il y avait marqué Chistera, tennis, ping-pong, basketball et foot. C'était toujours une barre. Hein, et une... ça, c'était génial. Donc ça, j'ai découvert vraiment le jeu vidéo en, je sais pas, en 60, je sais pas, 75, 76. Toi, je devais avoir 8 ans. Et puis après, j'ai eu un Coleco et Vision. Avec mon frère, on a beaucoup joué. Et surtout, j'ai eu mon Commodore 64 pour un Noël ou un anniversaire. Et nous, on est une génération, on a appris un petit peu le basique à l'école avec les TO7 ou des choses comme ça. Donc j'avais des toutes petites notions d'informatique parce que le Commodore 64, quand vous l'allumiez, il y avait un écran bleu et puis un petit truc qui faisait ça. Il n'y avait pas d'interface. Donc il fallait, juste pour charger un jeu, il fallait connaître les commandes. Donc je crois que c'était load, 8,1. 1, ça veut dire tu lances le jeu et 8, c'est-à-dire que c'était sur le driver du CD. La disquette, CD. Ouais. On est d'accord. CD, voilà. Et puis après, bon, voilà. Donc, ça, c'est un truc qui m'a bien plu. Et puis après, alors je ne sais même plus ce que c'était ta question, mais c'est... Oui, comment je suis venu. Est-ce que je suis comme jeune maintenant, tu vois, j'étais au Commodore 64. Bah, c'était ça. C'est le lien entre le jeu, le design objet, papier surtout. C'est ça qui me plaît beaucoup en ce moment. Pas du tout de plastique, des choses comme ça. Et l'interactivité. Et le design graphique, parce que c'est mon métier d'origine. Et puis après, toutes les mécaniques de game design que je trouve passionnantes, à la fois en jeu vidéo ou en jeu de société. Même, je trouve que depuis 10 ans, moi, je me suis plongé pas mal dans le jeu de société. Je trouve d'autant plus passionnant le jeu de société, parce que je le trouve beaucoup plus libre et divers, en fait. Puisque en fait, un jeu de société, vous voyez, là, avec tous les deux, on a trois bouts de papier, du scotch et un cutter et puis un stylo, et on peut arriver à créer un jeu de cartes, tous les deux. Alors qu'un jeu vidéo, la barre est assez haute techniquement, graphiquement, économiquement, tout de suite. Alors que je trouve que le jeu de société, il y a un côté artisanal et amateur, mais au bon sens du terme, artisan. Voilà. Et donc, ça donne des productions, là, on peut regarder. Il y a plein de mécanismes très très innovants qu'on retrouve des fois dans le jeu vidéo et le contraire, des mécanismes de jeu vidéo qu'on peut retrouver dans des jeux de société. Mais je trouve ça vraiment assez passionnant intellectuellement à regarder. Et le summum, on en parlait tout à l'heure, c'est des jeux de rôle où là, ça part vraiment. Là, on est dématérialisé totalement. C'est juste des gens qui discutent entre eux. On peut avoir un papier, un crayon et 3D, mais en fait, on peut faire d'ailleurs du jeu de rôle juste en parlant. Où là aussi, c'est un truc qui me passionne vraiment de la mise en place de protocoles via des règles, juste qui permet une sorte de discussion créative autour d'une table. Et ça, je trouve ça assez magique. Voilà, complètement le contraire du jeu vidéo, où tout d'un coup, on est obligé d'avoir rien contre le jeu vidéo, au contraire, mais on est obligé d'avoir des machines, d'avoir du code, d'avoir beaucoup de techniques avant d'arriver à produire quelque chose. Alors qu'en jeu de rôle, là, si on a une règle assez légère et surtout un scénario, une histoire bien, et surtout un maître du jeu ou des gens autour d'une table qui arrivent à faire tourner la parole, je trouve ça magique. Voilà. Ça, c'est de plus en plus. Et je teste beaucoup avec mes enfants. Donc, j'ai deux garçons, 11 ans et 17 ans, donc parfait pour jouer au jeu de rôle. Et avec leurs copains, d'abord, je fais le maître du jeu, mais ça me permet de tester plein de choses, surtout avec des ados maintenant, parce qu'ils sont très ouverts. Et justement, ils mettent pas du tout le jeu de rôle comme moi à mon époque où je mettais soit le jeu de rôle, soit le jeu de société en concurrence avec le jeu vidéo, qui était tout à fait nouveau. Et moi, j'ai plongé pas mal dans le jeu vidéo parce qu'à côté, nous, on avait Monopoly et Cluedo, quoi. Donc, au bout d'un moment, tu vois ta ColecoVision, ton Commodore 64, tu vas plutôt vers le jeu vidéo. Mais c'est vrai que moi, pendant 20 ans, j'ai pas du tout regardé ce qui se faisait en jeu de société. Et il y a 10 ans, là, quand j'ai recommencé à travailler sur le papier, je suis allé à... moi, j'ai fait les Arts Déco, donc c'est à côté du Panthéon et de la Sorbonne. Et il y a le magasin des cartes, dans lequel je passais souvent. Mais comme ça, quoi. Voilà. Des mecs louches, tu vois, des trucs bizarres. Je suis rentré des fois à l'œuf cube, tu vois, dans tout ce quartier. Et là, je suis rentré, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Vous pouvez m'expliquer depuis 20 ans, 25 ans. Moi, j'ai lâché, je sais pas, Donjons et Dragons version 1 et en anglais. Et puis à Monopoly, un mec m'a dit, un mec cool, il m'a dit, bon, je vais t'expliquer. Alors, je suis sorti avec 10 jeux.
puis j'ai testé tout le week-end, voilà. Et là, j'ai vu, ah oui, il y a eu 2-3 trucs qui se sont passés pendant que je regardais ailleurs, voilà. Donc, c'était, voilà. Donc, voilà. Et donc, après, pour Volumic, et la manière dont on a évolué, c'est qu'au début, je voulais travailler plutôt dans l'édition papier. Ce que je me suis dit, dans l'édition jeunesse, il y a des trucs vraiment incroyables à faire. On a des super bons illustrateurs en France, on a des grands scénaristes. Enfin, voilà, on a vraiment de quoi faire en France. Et j'estimais que la position des éditeurs papier classiques, nos grands éditeurs français, par rapport au numérique, était très protectionniste. Ou vraiment, moi, j'ai des amis dans ce domaine, mais vraiment, ils m'expliquaient « Non, non, le numérique, c'est le mal, ça va tuer notre métier. Enfin, » je me suis dit « Mais non, au contraire. Hein. » En plus, le téléphone arrivait, on sentait bien que le numérique allait se dissoudre dans notre univers, plus besoin d'avoir un gros PC, mais qu'on allait être connecté la plupart du temps, qu'on allait devoir utiliser tout ça, donc essayer de trouver une manière positive et créative d'utiliser ça, et pas d'être toujours dans le mode « oh là là, c'est le mal, c'est comme les réseaux sociaux en ce moment, c'est toujours le mal ». Enfin, honnêtement, moi, j'ai jamais eu autant d'infos, j'ai jamais été autant d'informations pertinentes de gens qui me montrent des choses, des gens bienveillants. Quand je pose une question, je sais pas, il y a pas longtemps, j'ai posé une question, je cherchais un imprimeur qui faisait un truc très précis, j'ai eu 200 réponses. Et toute pertinente. Alors voilà, ça dépend de la manière dont on les utilise. Donc là, l'idée, c'était de faire ça. Et les éditeurs papier ont regardé ça, mais un peu de loin. Tiens, bon, il est bizarre ce mec, il est un peu farfelu. Voilà, ils me connaissent. Hein, moi, j'ai travaillé pas mal dans le CD-ROM et des choses comme ça avec eux. Et en fait, c'est les gens du jeu de société qui sont venus nous voir. C'est marrant, pour tout vous dire, Asmodée, qui est un grand éditeur maintenant. Il y a 10 ans, ils étaient assez gros, mais pas encore. Et les gens du jeu de société et Hasbro aux États-Unis sont venus nous voir très vite. Dès qu'on a montré des choses sur Internet, nos petits bricolages, nos petits trucs, tiens, on pourrait mettre ça sur une tablette, sur un téléphone. Et en ayant une vision très ouverte par rapport au numérique, en disant, mais nous, on est très décontractés par rapport au numérique. Enfin, moi, les gens d'Hasbro, toi, m'ont dit, tu sais, le ballon, les dés ou les cartes à jouer, dans 50 ans, il y en aura toujours. Par contre, ton téléphone... Je suis pas sûr. Ils ont tout à fait raison. C'est-à-dire que eux, ils sont là. Le numérique est là pour augmenter leur expérience de jeu et de jouer, mais c'est pas leur cœur du problème. Et surtout, ils ne pensent pas du tout que l'objet numérique va remplacer l'objet physique. Et ça, j'en suis mais 100%, mais 1000 fois convaincu. Hein. On va pas finir tous comme dans les films de science-fiction, dans un univers virtuel à la Matrix et tout, on va flotter dans l'espace. Non, non, pas du tout. Au contraire, à mon avis, dans 20 ans, là, à la table, il y aura encore moins d'électronique. Et... Par contre, elle sera dissoute. Ce qu'on appelle l'informatique ubiquitaire, où les capteurs, les choses comme ça, vont être autour de nous. On aura des informations pertinentes au bon moment, mais pas, on n'aura pas, toi, la preuve ici, là. Tout le matériel que tu as est très, très léger par rapport... Si tu avais voulu faire ça il y a 20 ans... Tu ne serais pas venu tout seul avec ta petite valise. Et justement, ça te permet de faire des choses que tu ne pourrais pas faire il y a 20 ans. Voilà. Et pour moi, c'est ça. C'est une vision très positive et au contraire créative en disant « Et tu vas pouvoir le poster et le diffuser au monde entier. » On va tous nous voir et me voir. Dans le monde entier, des millions de vues. Voilà. Non, mais voilà. Mais que ça soit 1 ou 1 million, ce n'est pas très grave. Ouais. Tu peux le faire. Voilà. Et ça, je trouve ça génial. Et ça change complètement le paradigme d'il y a même 20 ans. Où, en fait, tu faisais ton truc. Pour le diffuser, il fallait trouver un diffuseur, un éditeur. Tu vois, là, par exemple, tout ce qui est vidéo, l'enfer. Enfin, je veux dire, il faut trouver une chaîne de télé où ça se finit sur un CD-ROM ou un Blu-ray ou autre chose. Extrêmement compliqué. Alors que là, ben, on le voit avec on en parlait tout à l'heure, les youtubeurs. Tu vois. C'est des jeunes de 14 ans qui sont dans leur chambre. Alors, bien sûr, il y a de tout. Mais ça permet honnêtement de faire émerger des gens qui ont du talent. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Je sais pas, que ce soit Norman, Cyprien, Squeezie, je ne sais plus. Enfin, il me fait rire, mais j'ai des garçons, donc il dit plein de gros mots. Donc faut... je contrôle ce qu'il se dit. Non, mais voilà, mais en fait, il me faut marrer. Voilà. Ouais. Et je trouve qu'il y a des sketchs très pertinents. Voilà. Et à côté, hier, je cherchais des machines à découper. Je suis tombé sur des gens qui ont acheté la machine de mes rêves. Là, et ils expliquent pendant une demi-heure comment ça marche, le pour, le contre. Puis tu apprends. Ou des fois, à l'atelier, on rigole. Tu vois, Julien doit avoir 40 ans, on a 40, 50 ans, il y a des plus jeunes, hein, il y a des trentenaires aussi, mais on rigole parce que des fois, quand on est bloqué sur un logiciel, on essaye de faire un truc, on dit, il y a Kevin qui m'explique, de 16 ans, ouais. Kevin 72, il est en train de me montrer comment faire le truc que je n'arrive pas à faire, voilà, et ça, je trouve ça génial. Voilà, donc ça, et donc, l'édition, pour revenir à ce qu'on faisait, c'est plutôt les gens du jeu de société, pas du jeu vidéo, hein. Jeux vidéo sont venus un peu, mais jeux de société sont venus très très vite et nous ont passé des commandes. Donc on a créé la société, puisqu'au début, toi, tu as une idée, mais toi, avant d'en vivre, c'est un peu compliqué. Et donc, on a travaillé avec Hasbro. Donc, on a appliqué, on a fait des jeux pour Hasbro. On a été publié par eux aussi, pour un jeu à nous, et en utilisant nos technos. Et justement, c'était avec l'iPad 1. Donc, c'était un peu
heureusement qu'il y avait Hasbro, parce que l'iPad 1, il n'y avait pas grand monde qui l'avait, mais on a sorti 3-4 jeux sur l'iPad 1, qui s'est plutôt bien vendu, alors pour Hasbro, moyen, mais pour nous, très bien, et on a même fait un Monopoly pour Hasbro, et puis après, on a travaillé pour Asmodée, enfin, on travaille pour plein d'autres maintenant, où on a été les premiers, nous, à montrer qu'on pouvait mélanger objets numériques, alors c'est modeste, hein, mais dans le jeu, visiblement, c'est Yo-Ho, le jeu qu'on a développé après, où le jeu de société, comment dire, pour y jouer, c'était obligatoire d'avoir, voilà, par exemple, obligatoire d'avoir un jeu, d'avoir un téléphone. Voilà, ça, c'était tout nouveau. C'était assez gonflé, hein, parce que les éditeurs et distributeurs ont dit, oh là là, vous êtes complètement fous, vous imaginez, c'est que pour les riches et les choses comme ça. Alors, l'idée est venue il y a 8 ans, facile. Par contre, on a relancé le projet il y a 5 ans, puisque avec l'arrivée des Android, ben, les prix ont chuté. Parce qu'au début, il n'y avait que les iPhones, hein, donc on était quand même à un téléphone. Le pion était à 1 000 euros. Donc autour de la table, quand on est 4, il y en a pour 4 000 euros de pion. C'est pas trop l'idée. Et donc après, on a décidé, bah, avec l'arrivée des Android, on a vu que les prix chutaient. Nous, on a des jeunes stagiaires de 3e là, qui sont en observation. Bah, on regarde ce qu'ils ont comme téléphone, la manière dont tu l'utilises. Et on s'est aperçu que, je ne sais plus, mais pour 40 euros, bah, bon, après tu t'abonnes pour 2 ans ou 10 ans de ta vie, mais tu as des téléphones tout à fait convenables. Et donc, on a relancé ce projet. Voilà, c'est un projet où c'est un gros jeu de société. Quand je dis gros, avec des règles assez complexes, mais qui sont gérées par le téléphone. Et on, nos bateaux, c'est un jeu de pirates, mais nos bateaux sont vos téléphones. Voilà. Donc ça, c'était le premier. Et on a prouvé que ça marchait, puisqu'on a réussi à vendre les 8000 qu'on avait fabriqués. Et alors, il y a d'autres qui ont fait des jeux comme ça, mais historiquement, il faudrait voir. Hein. Je ne sais pas la compétition d'être le premier ou pas, mais c'était un des premiers, en tout cas. Et nous, on l'a édité nous-mêmes, parce que tu vois, on l'a montré à Hasbro, à d'autres éditeurs, qui nous ont dit, ouais, l'idée marche bien, on a testé le jeu, il marche. Par contre, faites-le d'abord. Nous, on est deux. Une boîte de 2 salariés, et t'as Hasbro ou des très gros qui disent qu'il faut, je sais pas, 4 milliards de chiffre d'affaires. Non, mais faites-le d'abord, puis après on voit si ça marche, nous on reviendra. Voilà. Donc bon, ben, ça a marché, et puis maintenant on travaille nous pas mal pour Space Cowboy, pour les jeux comme Unlock, c'est des jeux de... Donc on fait toutes les applis, en fait, on fait pas mal d'applications pour des jeux qui nécessitent, justement des jeux de cartes, des jeux de plateau, mais qui nécessitent une application. Donc là, nous on est vraiment spécialisés là-dedans, et c'est assez passionnant, parce qu'on travaille avec des game designers, pas de jeux vidéo, mais de jeux de société, et nous on fait le pendant, en fait, on fait plutôt le pont entre le numérique, ce qui est possible en numérique, et ce qui n'est pas possible en papier. Voilà. Là, maintenant, avec Julien, on articule bien les deux. C'est-à-dire qu'on, par rapport à une problématique de gameplay, de jeu, on arrive très vite à dire ça, ça va être plus facile à faire via le numérique, ou ça, via le papier, avec les contraintes économiques, techniques, enfin, tout ce qu'on veut, et de gameplay, et par rapport au scénario, voilà, et là, ça marche bien. Voilà. Et, ouais, c'est plutôt, en ce moment-là, c'est plutôt bien, il y a plutôt des bonnes idées, et en même temps, bah, comme tu vois là, on continue à développer des prototypes, tout le temps, en fait, moi, c'est ça qui me plaît, en fait, hein. Et Julien aussi, là, développer des prototypes, où on ne sait pas trop où on va, c'est pour nous, et puis, bah, après, l'idée, c'est qu'on le montre. Alors, soit on est vraiment très fiers, on en a un, là, un ou deux, là, on est très content avec la reconnaissance vocale, des choses comme ça, on va le sortir nous-mêmes, parce que je ne vais pas perdre mon temps à aller voir des éditeurs qui vont dire « on ne sait pas, gna gna, on le fait ». Ben justement, ce que je disais, Julien est développeur, je suis designer, en gros, à deux, on arrive à faire pas mal de choses. Après, quand le projet est assez mûr, ben là, on travaille avec un vrai scénariste et professionnel, et puis une illustratrice, et puis on va le sortir. Donc ça ne coûte pas si cher que ça à le faire. Après, on verra si ça marche, parce qu'après, il y a la communication, la diffusion, tout ça, mais on va voir ce que ça donne. Et souvent, ce qui se passe, c'est quand on fait des choses, là, ben, je t'en parlais tout à l'heure, mais on a des gens, des grosses boîtes, en fait, ou plus petites, mais qui viennent nous voir en disant, tiens, ça, est-ce que vous ne pouvez pas l'adapter à notre problématique ? Et ça, c'est intéressant, parce que toi, tu sais bien où tu vas. Alors, ça, je ne sais pas du tout où je vais, hein, j'ai fait ça hier. Mais c'est des pliages sans colle, sans rien. Et en disant, ben ouais, nous, on a beaucoup expérimenté. On a fait plein de prototypes, plein de choses comme ça. Par rapport à votre problématique, tiens, nous, on a fait ça. Et souvent, on va ailleurs après. Hein, mais au moins, ça fait un bon point de départ pour les réunions. Moi, j'ai horreur des réunions, c'est où les gens disent, on va créer un truc. Et puis, en fait, l'idée, ça ne vient pas comme ça. C'est-à-dire que... Donc, on vient vraiment... Moi, j'adore venir avec du concret. Comme ça, on discute sur du vrai concret, enfin, des choses, voilà. Et puis après, ça plaît pas, c'est pertinent ou pas. Et puis après, on avance assez vite comme ça. Voilà. Donc, voilà le volumique où on en est. Donc, on adore développer des prototypes. Et puis, une fois que c'est bien fait, bah, soit on le sort nous-mêmes. Là, j'espère cette année, on va sortir deux projets à nous. Yo, c'était il y a 3 ans, facile. Et puis, en même temps, on travaille pour d'autres. Voilà. D'accord, super. Bon, c'était très long, mais... Non, super. N'hésite pas à je peux dérouler, hein, je suis très bavard. Mais, c'est tout l'intérêt de Getting Shit Down, c'est de prendre le temps d'écouter les gens
Alors, est-ce que tu as une routine? C'est quoi ta routine quand tu viens bosser ici là, Comment tu fonctionnes? Ah ben c'est simple, je me lève à 7h30, on part à la course, je pose mon petit garçon à 8h25 à l'école, donc voilà. Donc, alors, j'ai la chance d'habiter à 12 minutes de mon atelier, donc ça c'est plutôt un luxe. Donc on est à Malakoff là, je suis à Montrouge, donc je pose mon garçon Elio à l'école, et après souvent, ben, c'est ce que j'ai fait ce matin, je vais dans un café, et j'ai pas amené mon carnet, c'est dommage, je l'ai là-haut, je pourrais te le montrer, je note les trucs que je dois faire pour la journée, mais surtout je fais des croquis, des dessins. En fait moi je suis plutôt créatif le matin, les idées viennent enfin je pense que la nuit tu cogites. Et Julien me disait ça aussi, même pour des problèmes de code ou des trucs comme ça, où c'est le matin, tu as la solution. En fait, tu galères là. Toi, là, moi, j'ai fait ça ce week-end, j'ai passé un super week-end, mais. Enfin, non, mais j'ai travaillé 2 heures, toi, j'ai fait des pliages, des trucs comme ça. Et ce matin, ben, je me suis dit, au lieu de. Enfin, toi, vraiment des trucs tout bêtes, mais au lieu de le glisser comme ça, je me suis dit, on pourrait l'encastrer comme ça. Enfin, vraiment des solutions toutes bêtes. Donc, je le dessine, en fait, je dessine beaucoup. Enfin, je dessine. Je prends beaucoup de notes, je fais des petits croquis, des choses comme ça. Et puis après, je viens à l'atelier. Après, ma routine, c'est je regarde tous mes mails, que j'essaye de ne pas voir le week-end, mais quand même. Puis là, en fait, le matin, justement, je suis en train de. Ah ben, c'est une bonne question, parce que là, je suis en train de me dire il faut que ma routine change, parce que je ne devrais pas regarder mes mails le matin, parce que, ben, en fait, répondre à ces mails, c'est des fois 2 heures, quoi. Mais des mails tout bêtes, hein, soit des conseils, soit, je ne sais pas, je vais faire une conférence à Aix, là, tout à l'heure, il faut que je prenne mes billets de train. Enfin, voilà. Plein de petits trucs logistiques, et en fait, il est très vite 11h30 midi. Et en gros, tu as juste répondu à tes mails. Donc, je vais essayer de faire le contraire. On en reparle dans 6 mois, mais j'ai essayé de faire mes mails le soir ou, je sais pas, prendre... Avant, tiens, c'est un truc marrant parce qu'il y a très longtemps, quand on était sur modem, je travaillais chez moi à un moment donné, j'avais mon atelier chez moi, j'étais tout seul, et on était sur modem et on payait à la connexion. Ben, c'est simple, moi, je bossais le matin, entre midi et midi et demi, je branchais mon modem. Donc, j'avais une demi-heure de connexion, je savais que ça me coûtait, c'était en francs, je sais pas, 10 francs. J'ai aucune idée à combien ça coûtait. Mais ben, c'est vachement bien. Parce que je savais qu'entre midi et midi et demi, j'allais sur le web, chopais mes infos, je récupérais les mails, je les envoyais. Et puis après, je le coupais. Parce que de toute façon, financièrement, c'était super cher, le modem. Voilà. Et il faudrait que je retrouve un système comme ça. En fait, c'est faux. Parce que tu as des alertes sur ton téléphone, sur ton truc et tout. Mais la routine, c'est super. Enfin, la routine. La routine créative, on dit, pour pas enlever le côté créatif ou les choses comme ça, parce que des fois tu as des idées, moi c'est ça, j'ai toujours un carnet, c'est les idées te traversent, tu vois, c'est tout d'un coup, je sais pas, c'est comme tout le monde, dans n'importe quel domaine, tu as une idée, et en fait si tu la notes pas tout de suite, enfin moi je l'oublie, c'est comme un rêve. Hein. Alors c'est comme un rêve exactement, parce que des fois tu crois que c'est génial, et en fait quand tu le relis, tu fais en fait, ouais, ou alors ça a été fait 10 fois, en fait, toi c'est, bah oui, ça s'appelle une roue, ah ouais. C'est vraiment la roue des fois. Mais c'est comme, enfin, je sais pas toi si tu fais ça, mais des fois tu as des rêves. Je me rappelle pas mal de mes rêves. Et j'ai la chance de jamais faire de cauchemar, en gros. Donc, j'ai des beaux rêves, en fait, a priori. Enfin, des rêves qui ça me fait. Enfin, ils sont cool, quoi. Voilà, je suis plutôt content quand je me réveille. Et des fois, je le note. Et puis après, mais je crois que c'est tout le monde comme ça. Quand tu le lis, tu fais, bon, en fait, c'est ridicule. Enfin, je veux dire, c'est pas ridicule, mais c'est pour eux. Bon, tu faisais du vélo, quoi. Voilà, mais la sensation était géniale. Ben, les idées, c'est un peu pareil. Donc, j'ai incarné avec plein de notes. D'idées, de petits croquis qui sont le côté. Enfin, c'est pas l'enthousiasme, mais si, il faut être enthousiaste au départ. Tu dis, voilà, ouais, ça donne super. Puis après, tu relis, bah, tu dis, ouais, enfin, ça s'appelle un pliage, ça s'appelle un dé, quoi. Par exemple, toi, tu réinventes le dé, quoi. Tu vois, tu fais, en fait, ça a été inventé, ça, il y a un petit moment. Voilà. Mais des fois, et souvent, c'est l'agrégation de 2 idées, en fait. Enfin, souvent, enfin, la manière dont, quand il y a des choses un peu innovantes comme Nuo, c'est souvent ben, le jeu de société, le téléphone, t'as vu quelqu'un, au hasard, c'était mon fils qui se servait de mon téléphone comme d'un... Il était éteint, il était petit, hein, il se servait de mon téléphone comme d'un avion. Tu dis, ah tiens, c'est marrant d'utiliser, non pas pour ce qu'il y a dans l'écran, mais l'objet lui-même. Puis après, tu dis, tiens, au lieu de faire un avion, c'est un peu compliqué, je le pose sur une table. Puis en fait, ta table, je sais plus si c'est ça, mais en gros, ta nappe, elle est bleue. Tu dis, bah, en gros, ça fait un bateau. Puis en fait, c'est souvent comme ça que les idées arrivent ou les projets s'aboutissent. Puis après, tu fais. L'idée ici, c'est qu'on peut faire un proto assez vite, un prototype très vite. Et après, ben, comme ça, on le teste en vrai et on voit si ça marche ou pas. Quand je dis ça marche, c'est que ça plaît, est-ce que les gens comprennent, est-ce que ça veut dire quelque chose, est-ce que ça n'a pas été inventé. Tu vois, les technos qu'on a inventées ici, par exemple, de reconnaissance d'objets physiques sur écran, on a inventé le truc, mais vraiment inventé, hein. Passer des choses comme ça, dit tiens c'est marrant, nan, nan. Et bien après on évite d'aller sur YouTube, et puis on voit que personne ne l'a fait. Alors ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais quand tu vois un truc que tu as inventé, en tout cas, que tu penses original et que tu vois aucun
personne sur YouTube ou sur le net qui propose la même solution, tu dis tiens, ben d'ailleurs c'est comme ça qu'on l'avait dit, il y a un ami qui était juriste qui nous a dit ce serait bien de le déposer peut-être. Alors moi j'étais pas très brevet Ethereum, on a bien fait parce que les brevets c'est un peu une escroquerie en vrai, mais ça nous a permis de sécuriser, de travailler avec des très gros en fait comme Hasbro, ça les sécurise les brevets. C'est-à-dire qu'ils disent voilà, il y a un papier qui dit que c'est toi qui l'as inventé. Donc on peut l'utiliser, et nous, Hasbro, on peut sortir le jeu, genre Monopoly, toi, ils en vendent 500 000 minimum, avec ça, parce que s'ils sont attaqués, d'ailleurs, ils ont été attaqués, hein, tout de suite, il y a des gens qui ont dit, c'est moi qui l'ai inventé, ben là, tu opposes le brevet, c'est un bouclier, en fait, voilà. Nous, on va pas attaquer, hein. Mais ça protège et ça rassure les gros, voilà. Et quand je dis une escroquerie, c'est que ça coûte très très cher pour une petite boîte. C'est que il n'y a que les gros qui peuvent déposer des brevets. C'est-à-dire qu'au bout de... Tu vois, très vite, c'est 5000 euros juste en France. Mais très vite, nous, à la fin, un brevet au niveau mondial, c'est 50 000 euros. Donc, sans parler des galères. Et en plus, tu n'es pas sûr de l'avoir. Donc, parce que, par exemple, pour l'Europe, il faut le redéposer dans les 27 pays. C'est-à-dire que l'Europe te dit c'est bon, mais après, il faut retraduire et re-sous-déposer, même si c'est sûr de l'avoir, mais il faut repayer tout le temps. En Chine, en Asie, enfin... C'est l'enfer. Donc, les grosses boîtes qui ont des armées de juristes et qui ont des spécialistes, c'est bien, ça marche. Mais par contre, toi, tout petit, tu as intérêt à ce qu'on fasse, tu as un budget avec Hasbro, parce que sinon... Ben sinon, ce qui est bien avec les brevets, c'est que si tu ne payes plus, c'est libre. C'est-à-dire que tu peux continuer à l'utiliser, mais tout le monde aussi. Donc, en gros, ben nous, on a plein de brevets hein, qu'on a lâchés. Par exemple, Yoho, hein, le système de localisation d'un téléphone sur une grande carte en papier, enfin, ou ce que tu veux, un aplat, on l'a libéré, parce que on va pas continuer à payer des sommes énormes. Puis au contraire, si quelqu'un avec cette idée peut l'utiliser, ouais, amusez-vous, quoi. Voilà, et puis voilà, exactement. Enfin, voilà. Ok, alors, pour toi, c'est quoi une bonne journée ? En fait, une bonne journée, c'était hier, en fait. J'ai fait ça. C'est tout bête, hein, mais... Hier, je me le suis dit, en fait, parce qu'en fait, je sais pas quoi, il pleuvait, enfin, on n'est pas sorti, tu vois, on n'a rien fait de spécial dans la journée, un peu les devoirs avec le grand, enfin, voilà, tu vois, des journées, c'est la vie, quoi, hein, donc, mais, tu vois, j'ai fait ça, d'ailleurs, je l'ai pris en photo de Facebook, comme ça, je le montre, voilà, c'est pas pour frimer ni rien, c'est dire, bah, tiens, j'ai fait ça, et j'ai pas perdu ma journée, parce que ce matin, j'ai eu une autre idée avec ça, et c'est que, ouais, je suis très matérialiste, en fait, tu vois, j'ai fait mon petit truc, une journée, tu vois, moyenne, hein, il n'y avait rien de spécifique, on s'est levé à 10h, en fait, on a zoné, il faisait pas, il n'y avait rien de spécifique à faire hier, et ben en fait, voilà, je trouve que ça, c'est le début, on va voir ce que ça donne, hein, rendez-vous dans 6 mois, mais je me suis bien amusé avec, j'ai vu que ça plaisait mon petit garçon de 11 ans, qui jouait avec, donc ça, c'est pas mal, hein, tu laisses les objets, pas moi, à la maison, je les laisse, et en fait, il a commencé à jouer avec, tu vois, en se faisant une histoire, il a mis on a une tirelire cochon en face, il a fait les cochons contre les petits totems, tu vois, et tu dis, tiens, si lui commence à s'amuser, alors que je lui ai rien dit, hein, enfin, toi, je vais laisser traîner ça sur la table, je lui dis, tiens, ça, on va creuser l'idée, voilà, donc ça, c'est une bonne journée. Enfin, disons qu'elle n'est pas si mal. Alors que sinon, si j'avais vraiment rien fait hier, je serais là, bon, ben voilà. Alors justement, c'est quoi une mauvaise journée ? C'est ça, c'est que tu n'as rien fait. Une mauvaise journée, c'est... C'est quoi, t'as raté ton concert qui a été annulé à cause de la grippe, là, je sais plus comment on appelle ça, on dit plus le coronavirus, mais je sais plus. Le Covid. Voilà, tu voulais aller à un concert et ça a été annulé, putain, voilà, il n'y a plus de métro parce qu'entre Porte d'Orléans et d'Enfer, entre la mairie de Montrouge et ils font des travaux et Montparnasse, c'est fermé, mais tu le sais pas parce que tu t'es pas renseigné, enfin voilà, il pleut, enfin voilà, ça c'est. Mais non, une vraie mauvaise journée, c'est plutôt... Dans le boulot, là, je parle en tant que design, c'est plutôt... j'ai la chance, ça ne m'est pas arrivé souvent, mais tu es vraiment fier de toi. Enfin, des fois, toi, tu fais un travail, tu es vraiment content. Enfin, tu sais que c'est bien, en fait. C'est pas génial, mais tu sais que tu as vraiment bien travaillé, qu'il y a vraiment une idée. Et puis, en fait, on te la renvoie parce que le mec en face, il n'aime pas le bleu, quoi. Ça m'est déjà arrivé une fois, c'est pour ça que j'ai un traumatisme. Ou le rouge, ou les carrés. Non, c'était mieux, c'était le carré. Mais tu dis, non, mais on s'en fout, t'aimes les carrés ou pas. C'est par rapport au projet, c'était un gros projet en plus, tu vois. Et en fait, de se faire bouler sur un détail graphique, là, mais qui t'as fait des carrés, ça aurait pu faire des ronds, tu vois. Au début, là, par exemple, je fais ça, mais ça peut être des oiseaux, ça peut être des canards, ça peut être de la typo. On s'en fout pour l'instant, c'est juste est-ce que cet objet marche en lui-même. Et ça, ouais. Et de ne pas arriver à convaincre la personne, surtout. Ça, tu t'en veux toi-même. Tu te dis, mais putain, quand même, j'ai 20 ans d'expérience, 25 ans d'expérience, je ne suis pas arrivé à convaincre cette personne que son blocage sur ce détail était qu'un petit détail et qu'on pouvait le changer facilement. Voilà, ça m'est arrivé une ou deux fois où vraiment tu es en colère contre toi, en fait.
et que tu n'as pas réussi à expliquer ton métier, en fait. Parce qu'en tant que designer, toi, surtout au début d'un projet, c'est plutôt un truc assez large. Et après, petit à petit, on va dans les détails. Mais au départ, c'est plutôt dire, ben voilà, on va travailler, je dis n'importe, je regarde autour de moi, voilà, on va travailler par exemple que sur des cubes en papier, voilà, et c'est très facile à plier, ça prend pas de place, au niveau écologique c'est très bien, enfin, c'est très simple, et là la personne te dit, ouais mais moi j'aime pas les carrés, tu dis non mais c'est pas grave, le pliage ça peut se faire en triangle, ouais non mais moi les carrés j'aime pas, on va arrêter. Voilà, alors après pour tout te dire, là, c'est ce qui m'est arrivé, on a continué après, avec, pas avec des carrés, mais on a remis tout en cause pour juste un problème de carré. Alors que, bon, voilà. Donc ça, c'est vraiment une journée, tu te dis, tu rentres, tu fais, mais vraiment, alors d'abord, tu es en colère contre la personne, mais surtout, c'est toi, en fait, tu te dis, ben, en fait, j'ai pas réussi à montrer, c'est-à-dire que les gens se sont arrêtés à l'aspect formel, et pas à l'aspect, comment dire, plus conceptuel derrière, et ils se sont bloqués sur un détail graphique, voilà. Donc ça c'est énervant. Ça, je suis pas le plus grand musicien du monde qui arrive, et toi, tu dis, ouais, mais le saxo, j'aime pas. Tu dis, non, mais on s'en fout. Le saxo, regarde la partition, regarde l'idée générale de ça. Alors maintenant, donne-moi trois outils qui sont une extension de toi-même. C'est simple, c'est mon stylo bille. Moi, j'adore dessiner et écrire avec un stylo bille. Mon carnet, il faudrait que vraiment je te le montre. Ah, il n'est pas là. Mon carnet et puis mon téléphone. Quand je travaille, je suis assez heureux quand je travaille, c'est vraiment ça. C'est, ben, si, on peut le faire là, tu vois. Là, j'ai pas de stylo bille, mais... Va chercher ton carnet. Ouais, je vais chercher mon carnet, comme ça, tu vas le voir, comme ça, ce sera plus clair. Attends, hop. Tac, tac, tac. Voilà. On reprend ? Ouais. Donc là, tu me demandais les extensions dans mon travail. C'est vraiment ça, c'est que j'ai mon petit carnet, tu vois, qui est pas trop gros, qui rentre dans ma poche, enfin dans mon sac, tu vois. Et mon stylo bille, j'adore le stylo bille, en fait. Un bic ? Ouais, c'est un bic. J'ai essayé plein de trucs super chers, des stylos et tout. En fait, je reviens toujours au stylo bille, je trouve ça super bien. Et puis, ben, en fait, mon téléphone à côté, où il me sert de vérifier des informations. Enfin, toi, par exemple, je sais pas, là, je dessine... Bah tiens, tu vois, là, c'est les petites pyramides, les idées des pyramides, avant de les faire. Et puis mon téléphone qui me sert à aller vérifier sur Google. Enfin, tu vois, j'ai dû taper totem, pyramide, voilà, qui sont plutôt des sources d'inspiration ou voir ce qui a été fait. Voilà. Mais je commence toujours par ça. Donc, j'essaie d'être le plus libre là-dessus. Donc des fois j'écris, des fois je dessine juste. Tu vois, là, c'est des packaging tout simple. Toi, je revois des vieux trucs et voilà, là c'est des jeux, bah, justement avec des cubes, des choses qui se déplient, où là c'est vraiment juste les idées et puis après ça pour vérifier. Quand je dis vérifier, c'est s'inspirer, en fait, souvent c'est dire tiens, toi là je me suis dit je vais faire des petits totems, bah, je suis allé regarder, hein, toi je fais Pinterest ou Google Images ou ce que tu veux sur les totems et puis je dis ah ouais c'est intéressant de voir ça, ça donne des idées en fait, tout d'un coup. Mais toujours je m'interdis d'utiliser Google Images ou ce que tu veux, Pinterest, avant d'avoir fait mes dessins. Parce que sinon, c'est comme un super outil, en fait. Moi, en tant que graphiste, ou quand tu prends des trucs de 3D, tu es fasciné par, je sais pas, des systèmes de particules ou des trucs comme ça. Et en fait, tout d'un coup, tu plonges dedans. Donc, c'est génial, hein, c'est super agréable. Mais en fait, après, tu sais plus où tu es. C'est un peu comme les recherches. Tout d'un coup, tu es sur Google, tu dis pourquoi j'étais en train de chercher ça ou pourquoi je vois ça comme image. Tu dis, t'essayes, moi, des fois, je refais le parcours, tu sais, dans l'historique, tu fais. Ah ouais, le cheminement pour arriver à ce truc un peu honteux à la fin, tu sais, tu dis, comment je me suis retrouvé là? Là, c'est pareil. Donc, j'essaye d'abord de me focaliser un peu là-dessus. Et puis après, ça, c'est plutôt pour augmenter tout ce que tu as dessiné. Puis surtout, voir des supers idées. Parce qu'en fait, toi, en pliage, par exemple, toi, tu crois avoir inventé un pliage. Le pliage, ça existe depuis très, très longtemps. Donc, il y a plein de gens, dont les Japonais, ont inventé deux, trois trucs avant. Mais c'est intéressant de commencer par ton truc à toi. Et après, tu dis, ah ouais, toi, là, par exemple, ça... L'idée, c'était, je t'ai montré tout à l'heure, c'est des flacons de thé qu'on a trouvé par hasard et j'ai fait ah mais c'est vachement bien plié. Ou il y a une idée géniale aussi qu'on a fait sur des cubes là, c'était des packaging de chaussettes de chez Muji il y a 6-7 ans. Toi, j'achète des chaussettes et le packaging, pareil, juste en torsion, clac, faisait une boîte, mais vraiment super bien fait. Et là, tu dis waouh, toi j'ai acheté des chaussettes juste pour ça. Mais sachant qu'avant j'avais l'idée, on était en train de travailler sur des cubes, des objets en papier, comment les plier.
Et bah, par hasard, ou c'est juste que tout d'un coup, ton œil est plus aiguisé là-dessus, c'est quand tu cherches quelque chose. C'est comme quand tu dis, tu sais, aujourd'hui, je sais pas, on est le vendredi 13, il m'est arrivé un truc qui n'est pas bien. Bah, il t'arrive un truc qui n'est pas bien. De toute façon, dans la journée, il y a toujours un truc qui n'est pas bien. Et bah, là, c'est pareil, mais en version plus positive. Tu dis, là, en ce moment, je suis en train de chercher des petites pyramides en papier qui sont bien solides et qui sont sans colle, bah, j'en vois partout, tu vois, dans la rue. Donc voilà, en tout cas, pour l'extension, c'est un peu ça. Voilà, c'est les deux. Je crois que beaucoup de gens, c'est comme ça. Hein. C'est ça qui est... Alors, et de quoi tu peux pas te passer? Dans mon travail, dans la vie, je veux dire bien sûr ma femme, mes enfants, mais non, mais dans mais la dans... Oui, ça, c'est un truc, voilà, mais alors de parler, ça c'est sûr, j'adore parler, comme tu vois, mais par contre, j'ai aucun problème de rester pendant 3 jours tout seul, par exemple l'été. Ma petite famille est souvent à droite, à gauche, et moi je travaille. Je peux rester 2 jours sans parler. Alors je travaille beaucoup, en fait. Quand je suis tout seul, je suis un gros nerd, en fait. Je sors pas, enfin, c'est très bizarre. Je suis vraiment en mode. Je rentre chez moi, je continue de travailler. Enfin, quand je dis travailler, j'ai un travail qui est cool. Hein, toi. Je fais des pillages, je fais des images, des animations, des vidéos, des petits bonhommes. Mais j'arrête pas. Mais non, ce qui me manquerait vraiment, c'est ça. Honnêtement, des fois. Ah ouais, tiens, si, un truc qui me manque, où je suis vraiment en mode. Ça va pas, c'est quand j'ai oublié mon stylo bille. Mais quelle horreur! Toi, j'ai mon carnet. Tu sais, des fois, je m'installe un café, j'ai un tout petit peu de temps. Je dis, bon, génial, j'ai une demi-heure. Je prends mon carnet et là, j'ai oublié mon stylo bille. D'où, génial ce truc-là. J'oublie pas mon stylo bille et je suis obligé de demander à des gens. Tu vois, les gens ils disent, pourquoi ils me demandent un stylo? Puis je dis, même, je vais vous le garder pendant une demi-heure et tout. Voilà, ça m'énerve. Quand je dis, je vais pas mourir, mais ça m'énerve vraiment et je suis en truc, mais vraiment. Donc, je me suis retrouvé des fois à aller dans un magasin, acheter un stylo juste pour. Et puis après, t'as plus le temps. Mais c'est plutôt ça le truc. Parce que je te dis, moi, j'oublie très vite soit les idées ou les. Toi, il faut les notes. Moi, il faut que je les couche. Sinon, ça part. Et puis, c'est très frustrant parce que tu te dis, toi, je reviens sur l'idée du rêve. Ah, le rêve était génial. Mais tu sais, plus t'en parles, plus. Enfin, moi, il disparaît au moment où j'en parle. C'est assez beau, d'ailleurs. Voilà. Et tu dis, ah, voilà. Et puis après, je pense que tu le réinventes tout le temps. Mais, ouais. Alors, justement, pourquoi tu te lèves le matin? Pour ça, en fait. Techniquement, il y a l'école. Donc, ça, c'est un truc. Tu te lèves vraiment, tu n'as pas le choix. C'est ça. Parce que, en fait, là, sincèrement, dans le boulot, je me réveille ce matin parce que je suis sûr qu'avec ça. On va faire, je dis on, parce qu'il y a Julien, il y a toute l'équipe, mais je pense qu'on va trouver une idée assez intéressante qui peut-être finira pas du tout comme ça, mais petit à petit, tu vois, on construit un truc. Et là, ce matin, toi, quand t'es arrivé, toi, j'étais en train d'imprimer ça, les trucs que j'ai fait ce week-end, en me disant, bon, ben, je vais le concrétiser. Là, cet après-midi, si j'ai un peu le temps, je vais faire avec sur la tablette, voir ce que ça donne quand on le pose sur la tablette. Voilà, ça, c'est un truc qui me. Enfin, quand je me réveille, j'y pense, tu vois, pour tout dire. Je suis pas obsédé, hein, mais. Tu vois, je me réveille, rien. Et en fait, tout d'un coup, toi, ce matin, j'étais là, en prenant le sac du petit et tout, je me suis dit, oh là, il ne faut pas que j'oublie les trucs que j'ai fait ce week-end, que je les ramène à l'atelier, parce que ça m'aurait bien embêté. Voilà. Cool. Quelle est ta plus grande réussite personnelle? Oh là, dans la vie professionnelle, non, tout. Tout. Réponse ouverte. Hors la famille, bien sûr, et tout, mais. C'est une réponse tout à fait acceptable. Autre, voilà, ouais. Parce que bien sûr, t'es très fier de tes enfants et tout ça, où je suis fier, j'ai fait 59, j'ai fait de la compétition en natation, ça se voit pas, mais j'ai fait 59 secondes au 100 mètres nage libre, voilà, à 16-17 ans, je sais plus. Alors, les grands pros font 10 secondes en moins, hein, mais c'était pas mal à l'époque, donc ça je suis fier, voilà, ça c'est. Enfin, d'être descendu au-dessous de la minute. Alors attention, à l'époque, hein, c'était pas électronique, c'était un mec qui est appuyé comme ça, et voilà, c'était un bassin de 25 mètres. Donc à un moment donné, j'ai bien fait ça. Et si au niveau professionnel, en fait, c'est rigolo, le mec s'en est pas aperçu, mais j'avais fait une conférence, je sais plus où, c'était en Italie, je crois, bref. C'est quand, à l'époque où je faisais les sites pour Issey-Miyake. J'ai fait pas mal de sites pour Issey-Miyake. Et en fait, il y avait plein de grands designers, des choses comme ça. J'étais en Italie dans un super beau musée, genre Renaissance et tout. C'était vraiment très bien. Et donc, je fais ma conférence, hein, avec mon anglais très approximatif et tout. Et il y a un journaliste qui vient, et c'est un journaliste de EYE. EYE, c'est un grand magazine de design et tout. Et le mec vient me voir, et il me dit, il me dit, ah, j'ai vu ça, c'est intéressant. Je connaissais pas ce que vous faisiez, voilà, je vous connaissais pas tout ça. Puis il m'a dit, ce que j'aime bien, c'est que vous prenez pas les gens pour des idiots, en fait.
Et en fait, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire parce que... Et après, il est parti, enfin, il a continué, il a fait son petit truc, mais j'ai dit, ah, ça, c'est cool. Enfin, je veux dire, ça c'est bien parce que, tu vois, parce que les sites Miyake sont très ouverts, très libres. Il n'y a pas de typo, il n'y a pas de texte, on n'achète rien, on se promène. L'interface est tout le temps différente à chaque fois. On a fait 27 sites différents. À chaque fois, je me posais la contrainte d'une interface différente, transparente en plus, hein, pas de bouton ni rien. Et ça, je me suis dit, ah, c'est. Je sais pas, c'était il y a 10 ans, 15 ans. Je me suis dit, ah, c'est cool ça. Enfin, toi, quand je lui dis, bah tiens, je suis fier de ce que j'ai fait parce que la personne a bien compris. Moi, je le fais pas pour ça absolument, toi, pour dire, hein, faire un truc compliqué. Là. Non, non, mais c'est que la personne a ressenti de cette manière. Et ça, c'était. Le mec ne s'en est pas aperçu, il me l'a dit comme ça. Mmh. C'est ça qui était bien. C'est la personne qui te dit, toi, juste un truc comme ça. Ouais, et en plus, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous prenez vraiment pas les gens pour des idiots. Bon, allez, je dois y aller, au revoir. Et là, je fais, ah, bah j'ai gagné ma journée, là, toi, ce jour-là, j'ai fait, tiens, c'est bien. Voilà. Donc, bon, après, on a fait plein de trucs, hein, yo, volumique et tout. Bah tiens, par exemple, maintenir une boîte pendant 10 ans, tu vois, financièrement, en faisant des cocottes en papier, c'est pas évident tous les jours. Voilà, après, on en reparlera, mais voilà, par exemple, voilà, ça aussi, c'est pas trop mal, on va dire. On n'est pas riche, hein, mais on arrive à se payer un salaire, à payer le loyer, à payer le matériel et à continuer à faire ce qu'on aime dans un domaine qui est vraiment très particulier, tu vois. On a décidé de on ne travaille pas avec du plastique, on ne travaille pas sur des... On nous a proposé des très gros projets, mais qui n'étaient pas du tout dans notre optique, tu vois. On préfère dire non. Alors, après, hein, c'est toujours équilibré, hein, mais on arrive à maintenir un cap, tu vois, pendant 10 ans, où on arrive à éditer nous-mêmes, à faire aussi de la prestation, mais on a un cap qui, enfin, pour l'instant, voilà, on continue. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Super. Après, il y a des fois, hein, pendant pour Yoho, pendant 6 mois, on s'est pas payé, toi. À un moment donné, c'est... Alors, justement, maintenant, ça fait plusieurs décennies que tu travailles. Ouais. C'est une question que je pose à tous les gens que j'interviewe. Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu pourrais partager comme pépite, de sagesse ah non, là. Que tu pourrais transmettre. Alors là, je suis qu'est-ce pas que, trop... Qu'est-ce que t'as pigé tu vois, Getting Shit Down, le principe, c'est d'essayer de transmettre à la fois l'énergie de créer, de monter des projets, de se lancer... qu'est-ce que tu pourrais transmettre, qu'est-ce que tu as compris, quelques enseignements J'en découvre tous les jours, moi. Toi, par exemple, il n'y a pas longtemps, je me disais, là, on a créé, ça s'appelle les éditions volumiques. En fait, on n'était pas éditeur au début, c'est mon ancien associé qui voulait qu'on soit éditeur. Enfin, ça s'appelle les éditions volumiques. Et en fait, là, au bout de 10 ans, ça y est, je commence à comprendre à peine le métier d'éditeur, le vrai métier d'éditeur, tu vois, parce que ce que c'est qu'éditer un livre, tu vois, parce que moi, j'avais cette sensation, on fait le truc, et après, on le met quelque part, puis ça se vend tout seul, et ça se distribue, puis les gens ont compris. Non, non, pas du tout, il y a vraiment tout un métier d'accompagnement de ça. Donc, tu vois, j'en apprends vraiment, mais tout le temps, tous les jours. Là, si je pouvais donner un... Ben moi, alors moi, j'ai l'habitude d'être prof. Hein. Enfin, je fais pas mal d'interventions, des choses comme ça. Si, il y a un truc qui est essentiel pour les étudiants, c'est de pas être bloqué sur son travail. Tu vois, par exemple, moi, j'ai commencé par la typographie. Ça m'a vraiment plu aux arts déco, le design graphique. Et en fait, là, j'en fais presque plus. En fait, mon métier, c'est-à-dire que d'essayer de pas être... Alors, c'est bien de dire, moi, je veux faire ça. Mais après, les métiers, tu vois, par exemple, le métier que tu fais, qu'on fait, ils n'existaient pas, en gros, il y a 30 ans. Ben, tu vois, le métier de game designer, par exemple, ou le métier de mélanger numérique avec du papier, tu peux bien imaginer que ça n'existait pas du tout. Donc, en fait, il faut être assez souple et assez curieux et pas avoir peur, en fait. C'est-à-dire que si, par avance, ouais, le seul conseil, c'est ça, c'est pas avoir peur. Peur, pas physiquement, mais... De dire, ah, j'ose pas, faire ça. Toi, je le montre. En fait, toi, volontairement, ça, je le montre sans problème sur Facebook ou ce que tu veux, ou Twitter. C'est rien du tout, hein, ça. Mais ça me pousse, toi, de dire, bah, je vais continuer là-dedans parce que les gens disent, bah, tiens, je suis intéressé. Tiens, je suis ben, content de voir la suite. Enfin, toi, ça te motive, en fait, et de ne pas avoir peur de dire, ça a l'air ridicule au départ, mais peut-être que ça va amener quelque chose. Donc, en gros, c'est ça, c'est plutôt pas avoir peur de se planter, en fait. De dire, peut-être que ça marchera pas du tout. Non, mais c'est même pas ça marchera pas, ça va rester sur une étagère. Là, ici, dans 2 ans, tu repasses. Puis c'était un beau souvenir, je me suis amusé pendant 2 jours. Donc, c'est ça, c'est surtout pas avoir peur de se planter, parce que, bah, voilà, si t'essayes rien, voilà, tu risques pas. Et en design et tout, c'est vraiment. Tu vois, là,
j'ai lu un bouquin là, c'est de Monsieur Jean-Louis Fréchin là, où là, il critique pas mal tout ce qui est designer, c'est UX machin et tout. Où en gros, c'est pas critiqué en général ça, mais il y a des gens qui ont écrit des livres qui te montrent ça comme une recette où à coup sûr t'es sûr de réussir. Et en fait, ça c'est comme une... bah non en fait. Enfin toi, le design, tous les métiers artistiques ou même la vidéo ou le film. Toi, il y a plein de gens qui ont écrit sur le scénario, sur le film, sur toi. Il y a plein sur le cadrage, sur la lumière. Mais en fait, il faut surtout pas le prendre comme une règle absolue parce que sinon tu fais un truc moyen. Tu te plantes pas. Toi, c'est comme une recette de cuisine. Hier je faisais de la cuisine, tu vois. Bah, j'ai pris une recette et je la suivais d'une manière assez scrupuleuse parce que je suis pas un cuisinier. C'est pas mon truc, quoi. Tu vois, alors que je pense qu'un grand cuisinier va dire bah, ça, en tout cas avec mon expérience, ça, tu peux remplacer ça par ça, tiens, on va essayer ça. Là, non, je suis pas expérimenté, j'expérimente pas. Donc l'idée, c'est ça, c'est de dire, de pas prendre ça au pied de la lettre, en fait. Tu vois, de dire il faut faire ça, 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 ça. Et à la fin, tu es sûr, tu trouves le truc génial. En fait, non. Tu trouves le truc qui correspond comme à ton concurrent. Enfin, toi qui... Je dis n'importe quoi, je ne suis pas designer de chaussures, mais si je suis sûr qu'il y a des règles pour créer une chaussure, tu vois, bah à la fin, au mieux, je serai à 10% de Nike, quoi, tu vois. Enfin, je ferai une chaussure qui ne fait pas trop mal aux pieds, à la fin. Voilà. Et ça, c'est intéressant aussi de dire, justement, il ne faut pas oublier le plaisir. Ça, c'est super important. Toi, là, j'espère que ça se voit, mais je m'amuse beaucoup avec ça. Je prends du plaisir vraiment à le découper, à le casser, à le déchirer, dire tiens, si je coupe là, qu'est-ce qui se passe ? Et quand je vois mon petit garçon s'amuser avec, d'autant plus. Et après, on verra ce que ça donne. Mais déjà, c'est cette première notion déjà de l'excitation, du plaisir, ou de l'émerveillement aussi. C'est-à-dire que tout bêtement, tu regardes ta pyramide ou ton, je sais pas quoi, ou ton téléphone avec le petit, tu vois, d'avoir mis un petit bonhomme sur ton téléphone et puis ça fait une petite animation. Tu le regardes et en fait, il y a un côté émerveillement. C'est pas que c'est génial ni rien. C'est tout d'un coup, tu vois, j'aime beaucoup Gaston Bachelard. C'est La Poétique de la Rêverie. Moi, j'ai lu ça aux Arts Déco et Poétique de l'espace, où c'est des livres un petit peu complexes, mais qui te font mettre le point sur un moment donné, il n'y a plus de culture, il n'y a plus de... Toi, ce n'est pas lié à ta culture, ni à ses références, ni rien, c'est de la pure émerveillement d'enfant. Et je trouve que c'est vachement dur, ça, de retrouver l'émerveillement que quand tu étais petit. Toi, parce que nous, on a tous, bah, toi le premier dans ton travail et tout, on doit gérer des trucs, on règle, on a nos routines aussi. Toi, moi, honnêtement, si tu me demandes de faire une affiche ou un livre, j'ai mes habitudes, j'ai mes automatismes, ça sera bien, voilà. Au mieux. Par contre, faire un truc vraiment différent où tu prends des risques, c'est vraiment tout à fait nouveau. Et puis, il faut arriver à s'émerveiller, toi. Et ça, c'est ça. Voilà. S'il y a un conseil à faire, c'est garder sa faculté d'émerveillement. Mais même, toi, moi, j'adore les graffitis, la rue, la signalétique. Moi, j'ai la chance de voyager pas mal et j'adore prendre des petits stickers, des gens qui détournent des trucs et tout. Et c'est toujours assez, assez beau, en fait. Quand je dis beau, des fois ça peut être un truc très moche, hein, genre très agressif et tout, mais il y a un émerveillement dans ce détournement, par exemple, de la signalétique routière. J'adore ça. Ça peut être dangereux d'ailleurs. Mais tu vois, par exemple, j'ai fait un voyage incroyable à Bogota il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Je ne connaissais pas du tout l'Amérique du Sud, enfin c'est l'Amérique centrale, mais du Sud. Et en fait, ils n'ont pas assez d'argent pour les bombes de peinture, les graffeurs. Donc ils font ça au pinceau. Et en fait, ça te développe une gestuelle, et en plus, ils savent bien dessiner, toi. Enfin, vraiment, ils ont cette habitude. Là, je suis resté... Toi, j'ai passé mes nuits à Bogota, toi, ce qui n'est peut-être pas le truc le plus prudent de sa vie, mais à faire des photos de graffeurs, de peintres. Voilà, et ça, c'était vraiment incroyable. Voilà, donc c'est surtout ça, c'est cette idée de garder l'émerveillement, cette faculté à dire... À se mettre dans sa petite bulle et dire tiens, en fait, je dis n'importe quoi, mais ce stylo, en fait, c'est pas trop le cas, mais il est super bien fait, ou voilà, où l'équilibre est parfait, et tiens, c'est intéressant la manière dont tient ce stylo, tu vois, il est pas mal, en fait. Il est intéressant, et après, parce que ça peut te servir à toi, on verra, mais c'est garder cette notion d'émerveillement, ou là, par exemple, tu vois, quand j'ai vu ton tatouage, j'ai fait oh, de l'Helvetica! Et non mais je trouvais ça vachement bien ce côté tu sais les présupposés dans le tatouage où on a des lettres gothiques en flammes et des trucs ou alors très très très, très complexes, là au contraire t'as un truc en Helvetica, quoi, tu vois, donc tu fais ah c'est génial ça comme idée, tu vois. Non mais je veux dire esthétiquement, tu fais, toi je m'y attendais pas, je savais que tu t'étais fait tatouer parce que je l'avais vu dans le petit reportage, mais j'avais pas vu la fin, en fait, tu vois. Et je fais, ah bon, en plus il est à l'envers, mais ça j'avais compris pour le truc à l'envers, mais voilà, de garder ça, alors pas d'être béat toute la journée, hein, c'est pas le truc, mais c'est de garder à certains instants de trouver
le côté émerveillement. Je crois que c'est Jean-Marie Massot qui disait ça, un architecte là, qui essayait, c'est ça, c'est essayer de reproduire les, sans être nostalgique, mais cette faculté à retourner, à redevenir petit garçon ou petite fille, où tu es assez ouvert sur le monde, et c'est là où tu peux créer un truc. Parce que si tu dis non, tu vois, de penser en dehors de la boîte, en fait, parce qu'on disent nos amis américains, mais c'est ça, c'est d'arriver à ça. Alors, c'est pas du tout. Et alors, des fois, ça sert à rien. Enfin, après, tu peux t'émerveiller sur un truc, et en fait, il n'y a que toi au monde qui trouve ce caillou extraordinaire. Mais c'est pas grave. Alors, justement, ouais. Est-ce que tu as connu des échecs ? Oh ouais, plein, alors là. professionnellement, ouais, c'est ça, c'est des trucs où toi t'es très fier. En fait, disons que tu mets la barre assez haute. Tu vois, par exemple, tout bête, hein, sur les réseaux sociaux. Moi, je les utilise en gros une fois ou deux fois par jour. Toi, je me limite parce que c'est vrai que ça peut prendre beaucoup de temps. Mais tu postes un truc où t'es très très content de toi. T'as 10 likes. Ok, c'est pas grave, hein, c'est pas, moi je suis pas à la course du like, mais tu les vois. Toi. Puis tu postes vraiment un truc débile, toi qui t'a fait marrer. T'as 150 likes. Tu fais, ouais, là, et les gars, tu vois, je dis n'importe quoi, mais un lapin qui fait du skateboard, tu vois, je dis vraiment n'importe quoi, et là, t'as 200 likes, tu vois, ou plus. Et puis à côté, tu sors un truc où vraiment t'as galéré, tu trouves ça vachement bien, et là, t'as tes 10 potes qui font, ouais, c'est bien, mais gentiment, quoi, tu vois, tu fais. Alors, c'est des micro-échecs de la vie, et c'est très bien, parce que ça te remet, tu vois, tu dis, tiens. Mais dans la vie professionnelle, des échecs, alors je dis, j'ai pas eu de catastrophe en fait, toi, j'ai pas eu de truc. Non, c'est plutôt des déceptions. Ou des fois tu dis, ouais, ce truc. Tiens, bah, le premier truc qu'on a fait à Volumix, c'était un petit ballon en papier qu'on mettait sur la tablette. Et en fait, juste par, il n'y avait pas de techno ni rien, mais juste, il y avait une illusion d'optique. C'est simple, tu faisais ça avec ton doigt, tu slidais en gros sur l'écran, et c'est tout bête, on réduisait l'écran, enfin. On réduisait l'image de ton terrain et l'ombre. Et en fait, tu avais une illusion d'optique où tu avais vraiment l'impression que le ballon décollait, en fait, qui était papier, lui. C'est un peu dur à expliquer comme ça, on peut peut-être le montrer, mais. Et en fait, je fais la maquette et tout, Julien trouve une idée, enfin voilà, donc on trouve un truc, et nous, à quatre autour de la table, on trouve ça super. On se dit, ouais, c'est super, en plus, c'est vachement bien, c'est juste un petit ballon en papier à poser sur la table, c'est très minimaliste, j'aime beaucoup. Et en gros, il fallait y avoir des formes de découpe et tout, donc ça coûte assez cher. On voulait faire un livre assez beau, et l'imprimeur, c'est en dessous de 1000, il vous dit, voilà, moi je voulais imprimer 500, tu vois, et puis là, autour de moi, il me dit, bah non, il faut en imprimer 4000, c'est super, ça va faire le tour du monde, ce truc, et tout. Bon, on en a vendu 500. Alors, c'est super, 500 pour un truc, mais, et par contre, il est devenu très connu, en fait. Mais c'est des succès d'estime, tu vois, pas du tout financier, mais, alors, donc maintenant, c'est ma carte de visite, c'est ça que je m'en sers. Pour en donner par carte de visite, mais c'était rigolo parce qu'au début, tu sais, quand autour de toi, on dit, bah, si ça... toi, sincèrement, on dit, ouais, c'est vrai, puis au contraire, j'étais là, ouais, ça me coûte, je sais pas, l'imprimeur, il dit que pour 1000 exemplaires, c'est 2000 euros, par contre, si on en fait 4000, c'est que 3000, tu vois, c'est une échelle, il y a une économie d'échelle, tu dis, bon, bah ouais, mais là, 4000, c'est énorme, mais voilà, c'est... Oh, ça va, comme échec, il y a pire dans la vie. Non, je suis en train de regarder, j'ai plutôt de la chance, en fait, on n'a pas économique. Non, pardon, Yo, c'est une belle réussite. Dans les trucs où on a pris des risques, hein, je veux dire. Hein, on a fait un Kickstarter, on a fait, tu vois, donc ça s'est bien passé. Non, après, c'est des déceptions de projets où tu mets pas mal de ton cœur, en fait, entre guillemets, puis qui se font pas. J'en ai plein, moi. Donc, si, par exemple, j'en ai un célèbre, entre guillemets, il y a très longtemps, 98, 99, donc c'était il y a longtemps, c'était le début du web, enfin, début du web, on va dire, commençait à être commercial. On travaillait avec deux très grands éditeurs papier français, jeunesse, et qui voulaient rassembler tout leur contenu sur, on appelait ça des portails, sur le web. J'étais le directeur artistique, on met en place un truc vraiment bien, très audiovisuel en fait, qui était assez novateur pour l'époque, tout en flash, c'était parce qu'on arrivait à faire des trucs animés et tout en flash. Et pour rire, on avait du mal à trouver un illustrateur justement qui s'adapte aux contraintes du numérique, c'est-à-dire qu'il fallait faire des aplats et des lignes claires, toi. Pas de matière, pas de choses comme ça, parce que ça pèse trop lourd. À l'époque, on était sur modem. Et en rigolant, pendant une réunion, je dis, tu sais, on me demande, bah, t'aimerais qui, par exemple ? Je dis, bah, soit Hergé, soit Moebius, toi, en rigolant. Et puis, en fait, il y a le designer sonore, Jean-Jacques Berger, qui dit, ah ben, bah, si tu veux, j'ai son numéro. Je fais, à qui ? Hergé, c'était pas possible. Mais... Et en fait, j'ai des croquis encore, que je montrais, donc j'ai travaillé avec Moebius. Tu vois, j'allais, quand il était à Montparnasse, et donc c'était Moebius, mon illustrateur. Et en fait, donc l'ALU, enfin, tu vois, quand même, on avait une équipe, tout le monde était super bon, et le projet s'est arrêté
le projet n'est jamais sorti. Alors j'ai retrouvé les archives et tout il n'y a pas longtemps, parce que ces éditeurs ont estimé qu'il n'y avait pas de, mais réellement pas de futur dans Internet. Comme tu veux, toi tu fais ça. Et là tout d'un coup, t'es là. Comment ? Alors, c'est arrivé à une époque où il y a eu un écroulement en 99, voilà. Mais, ouais. Mais il y avait un côté, tu dis, attends, on est en train de faire un site web qui était vraiment très bien. Pour tout le contenu, il y avait énormément de contenu pour enfants, entièrement illustré, toute l'interface. Et en fait, on avait fait une sorte de terrain, une sorte de MMO avant l'heure, en fait, puisqu'on pouvait être à plusieurs et tout, dessiné entièrement par Moebius en isométrique. Tu fais, mais là, quoi qu'il arrive, vous, non. Et voilà, donc ça, c'est un truc où je crois que j'ai mis 6 mois à m'en remettre. Enfin, je m'en suis. Quand ils ont arrêté le projet, j'ai. Tu vois, des fois, il y a des trucs qui. Comment ça non, enfin, c'est même pas une question d'argent. Tu dis non. Voilà. Et puis ça a disparu. Et je l'ai retrouvé il y a pas longtemps là. J'ai retrouvé même le graphiste qui avait aidé Moebius pour le faire et tout. Ah. Donc ça, c'est des trucs où c'est rigolo après, mais tu dis. Longtemps après. Toi, c'est pas un échec. C'est juste, c'est vraiment trop dommage, quoi. Tu vois, tu dis. On aurait... Alors, je sais pas ce que ça serait devenu hein, après, mais. Mais ça, c'est des gros trucs. On dit, oh là là, mais tout le monde, tout le monde a des idées, a des histoires comme ça. Quand tu as des trucs, tu dis, waouh, on avait réuni à un moment donné, toi, une équipe, une sorte de dream team vraiment incroyable. Voilà, il y avait du design sonore dedans, alors que sur le site web en 98, design sonore n'existait pas. Enfin, toi, c'était vraiment, puis c'était des codeurs, c'était une équipe, la Gyoza, je crois. Enfin, voilà, c'était en flash, mais il y a une codeuse là, américaine, qui faisait du multi, c'est vraiment du MMO. Enfin, quand je dis du MMO, c'est qu'on était, on voyait les autres personnes en même temps connectées. Chacun avait ses petits cubes de couleurs, des avatars différents. Enfin, tu vois, c'était vraiment super bien fait. Et ça marchait. Voilà. Et puis après, en fait, ils se sont aperçus que sur Internet, tout était gratuit. Et qu'on n'avait pas encore... Alors, on n'était pas au web 2.0. Hein. On n'avait pas encore inventé de modèle basé à la Facebook, à la Google, soit sur la pub, soit sur les données personnelles. Et les éditeurs, justement, classiques, avec leur modèle économique, ça me coûte 2 euros, je le vends 10, le libraire prend 30%, le diffuseur 30, voilà. Sur le web, c'est plus du tout pareil, et ils n'ont pas su... Alors, je leur jette pas la pierre, parce que personne n'a trouvé pendant longtemps un modèle économique qui permettait de rentabiliser le truc, en fait. Et donc, en gros, tous les financiers ont fait stop, on arrête tout de suite. Dommage. Voilà. Bon, ça va comme échec. Enfin, c'est juste, voilà, tu dis, oh, putain, ça va être super. Alors, 2020 commence. Ouais. Est-ce que tu as pris des résolutions ou est-ce que tu te lances dans de nouveaux projets? Non, aucune bonne résolution. Je voulais prendre des mauvaises résolutions, à part faire un peu plus de sport et tout. Mais c'est continuer. Enfin, moi, là, pour 2020, c'est ça, c'est continuer à expérimenter. Alors, d'être de plus en plus minimaliste, voire, terme à la mode, c'est la frugalité au niveau du design, c'est... Voilà, c'est vraiment, pour ça que je vous montre ça là actuellement, mais c'est vraiment travailler, là je suis, tu vois, j'arrive à faire 2 petits trucs ou 3 juste avec une page A4, c'est de travailler sur des solutions au niveau du design les plus, c'est même pas écologique, c'est vraiment minimaliste à tous les points de vue, c'est en fabrication, presque à fabriquer toi-même, à la rigueur, là ça, je t'envoie les fichiers PDF, tu l'imprimes toi-même, d'essayer d'être le plus, de prendre vraiment en compte... C'est pas écologie parce que c'est. Enfin, bien sûr, c'est lié à l'écologie, mais c'est le terme. Toi, en tant que designer, il y a un gros problème, c'est qu'on produit des choses. Et là, actuellement, on peut dire qu'au niveau de la production, toi, tu vas te poser la question, c'est à quoi ça sert de produire ? Tu sais, on en a... Toi, par exemple, ça sert à quoi de faire des jeux encore ? Toi, mais c'est pareil pour les. Tu sais, à chaque fois qu'on voit la rentrée littéraire avec, je sais plus, 900 nouveaux livres, ça, c'est la grosse question. En fait, on va toujours continuer à produire, à créer des choses. Mais là, l'idée en tant que designer, c'est de trouver, tu connais bien cette problématique aussi, en packaging et choses, c'est il y aura toujours du packaging, il faudra toujours emballer des choses, les protéger, les diffuser, les distribuer et tout. Mais c'est comment arriver à trouver des solutions, là. Toi, par exemple, là, moi, j'aimerais bien faire un... Pour te dire, l'idée derrière la tête, c'est un jeu de rôle que je fais souvent avec mes fils et leurs copains. C'est de trouver des moyens, au lieu d'avoir des figurines en plastique ou des trucs comme ça, c'est de faire tout en papier. C'est de proposer un kit. Ça, c'est une des idées. Hein, mais, et de dire, on va arrêter le plastique totalement. Et puis en plus, il y a des grandes entreprises qui nous demandent ça. C'est-à-dire, voilà, les jeux, les jouets en plastique, ça va petit à petit... Les normes, en tout cas européennes et mondiales aussi, sont de plus en plus drastiques au niveau du plastique. Par exemple, en France, tu vois, le plastique à usage unique est totalement interdit, ça y est. Donc, il n'y a plus de petits gobelets en plastique, plus de sacs en plastique, plus rien. Donc, mais on a toujours besoin de boire, a priori. Tu vois. Donc, c'est là où c'est intéressant pour un designer, c'est de dire, il faut boire, on va jouer, on va lire, on va s'amuser, on va faire plein de choses. Comment arriver à trouver des solutions avec ces nouvelles contraintes ? Et moi, le cœur du design, c'est ça. C'est une sorte de... C'est pour ça que ça s'approche beaucoup du jeu, je trouve. Toi, le jeu, on peut dire, c'est une liberté réglée. C'est-à-dire que c'est tout d'un coup, on a des règles.
mais dans ces règles, on va être super créatif. Tu vois, par exemple, si on prend le jeu d'échecs, tu vois, tu te dis, les règles, elles tiennent en une page, hein. C'est pas très compliqué. Et en même temps, tu peux imaginer tout ce qui s'est développé dedans. Mais même un jeu de dames, enfin n'importe quel jeu, même sur trois lignes, il y a des gens... Enfin, quand on joue, on essaie d'être créatif et on jouit, entre guillemets, de ces contraintes, à les détourner ou à comprendre que si je fais ça, plus ça, plus ça, ça va faire autre chose, tu vois. Mais c'est quand même une recette de cuisine aussi. Tu dis, ah, mais en fait, ces deux aliments, si je les mélange, tout d'un coup, ça caramélise et ça me permet d'éviter de mettre du sucre, je dis n'importe quoi là. Mais... Et ça, c'est intéressant. Et c'est pareil au niveau du design. Là, tout d'un coup, on a des nouvelles contraintes. On se dit, bon, le plastique qui a été génial, enfin, pour les designers objets, hein, le plastique, c'est miraculeux. Hein, comme si on met tout à fait, à part le côté écologique, hein, dans les années 60 ou 50 ou même les années 30, l'arrivée du début du plastique, c'est une sorte de matériau qui prend la forme que tu veux, qui est solide, qui voilà. Et ben ça disparaît, ça doit disparaître. Et ben, donc il va falloir trouver autre chose. Donc là l'idée c'est ça, c'est de dire bah tiens juste avec un morceau de papier, un morceau de bois ou un morceau de je sais pas quoi de remplacer. On a travaillé avec des gens qui remplacent le plastique par des trucs à base de soja. Mais par contre t'as jamais exactement la même chose, mais c'est pas grave. Toi, Lego, par exemple, a annoncé qu'il n'y arrivait pas. Et t'imagines, Lego, tout ce qu'ils fabriquent en plastique, ils ont... Alors, je sais plus quel nouveau matériau, peut-être c'est du... l'amide... Enfin, je sais plus, honnêtement, ce que c'est, mais il y a d'autres solutions qui font croire que c'est du plastique, mais ce n'est pas du plastique, et au niveau écologique, c'est beaucoup plus sain. Mais en fait, ils n'arrivent pas à garder la même qualité. Donc, pour l'instant, ils ont annoncé qu'ils gardaient leur truc en, je sais pas, c'est de l'ABS, du PVC, je sais pas trop ce que c'est comme du plastique, mais en tout cas, ils y pensent. Et donc, après, ben, essayer de trouver, nous, des solutions. Alors, justement, avec des ingénieurs, avec des chimistes, avec... Toi, par exemple, en ce moment, il y a des encres à base de bactéries. Donc, ils ne polluent pas du tout. Ça fait pas peur, hein, ça fait pas mal, ni rien, mais c'est surtout bleu-violet, c'est assez beau, d'ailleurs. Et c'est élevé, c'est de l'encre qui est en élevage. C'est des bactéries qui sont élevées et qui sont colorées. Et on peut imprimer avec ça. Et là, le coût au niveau énergie et écologie est parfait, parce que ça ne pollue pas à fabriquer, il y a très peu d'énergie pour le faire, donc ça c'est intéressant, une des pistes, ouais. Le papier pareil, les choses comme ça. Donc là, l'idée c'est vraiment de travailler là-dessus. Donc ça veut dire bien s'informer là de plus en plus sur les nouvelles techno, parce que voilà, c'est ça, soit tu as les fabricants qui eux ont leur chaîne de production, qui disent ah ouais mais moi je dis n'importe quoi, je fais que du plastique thermoformé, ou moi je fais que des cartes, je sais pas quoi, avec tel vernis, tu dis bah ouais mais ce vernis là... Il est peut-être dangereux pour les enfants, parce qu'ils vont le mâchouiller, puis en plus, au niveau écologie, je me suis renseigné, c'est une catastrophe. Ils disent, ah ben non, nos machines sont réglées comme ça, on n'y touche pas. Et à côté, tu trouves des gens un peu plus... il faut les trouver, par contre, mais qui ont des solutions un peu nouvelles, alors qui coûtent souvent plus cher. Mais après, on espère, par exemple, toi, nous, c'est les prochains jeux qu'on va sortir, tout va être fait en France, en tout cas en Europe, ça dépend, parce que des fois, les imprimeurs français savent pas faire, tout bêtement. Bon, il y a l'Italie, il y a la Pologne, il y a des choses comme ça, qui savent faire pas mal de choses, et l'idée, c'est de le faire vraiment dans un circuit plus court. Donc, voilà, donc avec des contraintes, mais aussi des nouvelles possibilités. Parce que, tu vois, je vais voir les encres avec des bactéries, mais on m'a proposé là, de travailler là-dessus. Après, il faut trouver un imprimeur qui est équipé, qui est pour. Mais par exemple, tu vois, peut-être que ce jeu, il va être qu'en noir et blanc. Ou qu'en noir et bleu. Voilà, parce que les bactéries, c'est bleu pour l'instant. Donc ça, c'est une piste, là, cette année. Enfin, cette année, le truc dans lequel on progresse, c'est ça. C'est d'essayer de... C'est pour ça que j'aime beaucoup les jeux de cartes. Ouais, les jeux de cartes, honnêtement, t'as 50 cartes dans un coin. Et en fait, toute l'intelligence est dans la règle. Par contre, à fabriquer, c'est que du papier, c'est pas très compliqué, en fait, et ça pollue pas trop. Voilà, donc essayer de trouver des solutions là-dessus. Et puis après, ces solutions peuvent s'appliquer à des trucs beaucoup plus importants. J'ai regardé, là, j'ai assisté à des conférences, là, où justement sur l'architecture, des choses comme ça, qui sont assez passionnantes. C'est quoi ? C'était des bâtiments qui doivent durer 2000 ans. C'est hypothétique, hein, mais c'est le cahier des charges. Alors bien sûr, c'est cool, parce que personne ne vérifiera si tu as raison ou pas. Mais je trouvais ça intéressant, par exemple, des gens qui ont montré des sortes de volets qui, vraiment, dans leur structure fondamentale, changent de forme avec le soleil. Et donc, en gros, quand il y avait du soleil, ça s'ouvrait. Ou au contraire, ça se fermait. Donc, ça réglait la luminosité automatiquement. Voilà. Alors ça, c'est vraiment des choses dans les laboratoires, mais ils sont en train de voir comment l'appliquer. Pareil pour tout ce qui est pour garder la chaleur et des choses comme ça, mais c'est avec des solutions vraiment qui peuvent être toutes simples, mais qui doivent repenser complètement la manière de penser par les architectes les bâtiments. Voilà. Et les industriels. Parce que, tu vois, et donc, nous, à notre petit niveau, c'est ça. C'est les machines à découper, comment tu découpes ça, comment... Voilà. Toi, les imprimantes 3D, est-ce que c'est écologique ou pas? Nous, on a des systèmes qui découpent automatiquement, là. Voilà. Donc ça, c'est... On est autonome, là. On peut faire 200 objets comme ça. Voilà. Après, cool. Pas 100 000. Voilà, donc ça, c'est
voilà la direction dans laquelle. La direction pour 2020. Pour 2020, et puis après, c'est les opportunités, après, c'est les gens que tu croises, que tu rencontres, tu vois, qu'est-ce que tu as dans les trucs qu'il y a. Juste peut-être pour finir, là, c'est reconnaissance vocale. On nous a demandé, voilà, c'est pas un secret pour personne, hein, des gros groupes là, qui travaillent sur la reconnaissance vocale. En gros, la question, c'est à quoi ça sert? Moi, par exemple, tu vois, j'ai un Alexa qu'on m'a donné chez à la maison, donc truc d'Amazon. Il sert à part dire « dis-moi quand les pâtes seront cuites dans 3 minutes ou 10 minutes », tu vois. Mais vraiment, on s'en sert à la maison. C'est il sert de minuteur, en fait. Et, ou « rappelle-moi, tu vois, voilà, où Elio doit partir à l'école là, dans 20 minutes », tu vois. Et lancer les playlists Spotify. Voilà, il sert qu'à ça, pour l'instant. Mais vraiment, hein, c'est-à-dire qu'au bout de 6 mois... Dans la maison, ça y est, à part cet aspect suspicieux. Pour la météo aussi. Ah, la météo, on n'utilise pas, voilà. Ouais. Mais voilà. Et après, c'est, ben, on nous a demandé de développer des jeux, des choses comme ça. Alors, ça va arriver. Je sais qu'il y a des jeux hein, sur Alexa, par exemple, des choses comme ça. Mais l'usage est... Alors, peut-être hein, que... Tu vois, c'est comme les montres connectées. Pour l'instant, à part faire du sport, enfin, tu vois, à part connaître ton battement de pouls, des choses comme ça, je sais pas. Moi, j'ai une Apple Watch, là, j'ai acheté. Enfin, je sais pas toi, mais je la porte pas parce qu'en fait, je la porte que si je fais du sport. Et en ce moment, je ne fais pas, tu vois, pour tout te dire. Tu vois, non, mais voilà, tu vois, ce matin, je l'ai pas. Toi, elle était en charge. Enfin, je trouve pas une utilité. L'heure, c'est pas la peine, hein, on est d'accord. Si, c'est pratique. Oui, ouais, t'en as une, voilà. Mais non, mais moi, Non, moi, oui, t'as niqué, toi. Non, mais par rapport à la débauche d'énergie, de technologie, tu vois ce que je veux dire, c'est que le ratio d'intelligence et d'énergie dépensée par l'être humain, par la civilisation humaine, juste pour me dire si j'ai reçu un SMS, je trouve que le ratio il est un peu démesuré pour l'instant. Voilà. Mais après, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas trouver. Enfin, je veux dire, ça honnêtement, j'ai beaucoup moins de... Je passe pas plus de temps, parce que quand je travaille graphiquement, je suis sur un ordinateur, mais je pense que beaucoup de gens... Toi, ma maman, au hasard, n'a pas d'ordinateur. Elle se sert de ça ou d'une tablette. Donc, en fait, on a enlevé tout l'aspect gros PC, gros Mac à la maison, ouais. Avec un grand écran, un truc comme ça, qui se retrouve là-dedans. Même si ça, c'est très cher, c'est quand même moins cher que tout un gros truc. Et ça doit dépenser beaucoup d'énergie qu'un gros PC chez toi. Voilà. Donc, je pense que... Et là, honnêtement, on a trouvé à quoi ça sert. Voilà. Ouais. Et c'est plutôt la notion d'usage qui est intéressante, de dire la manière dont les gens s'accaparent une technologie. Et puis après, nous, en tant que designers, c'est comment rebondir là-dessus. Alors justement, ouais. Justement, nous en tant que designer, est-ce que tu pourrais me dire, alors ça pourrait être le... on pourrait faire 2 heures dessus, mais qu'est-ce que c'est le design pour toi? Ah, c'est une question... Alors tu sais, la réponse classique au design graphique, par exemple, c'est un dessin à dessin. Un dessin dessiné à dessin, avec un but. Ah, voilà, oui. Ça c'est la phrase... Formule. Non, mais c'est une belle formule, elle est très belle, tu vois, un dessin à dessin. Enfin, c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est une création d'une forme... que ce soit un dessin, mais ça peut être un parfum, hein, ça peut être création de quelque chose, avec un but. C'est-à-dire qu'avec, alors, tout a un but, en fait, mais quand même avec une idée derrière la tête. C'est en gros, c'est-à-dire que je veux travailler, je sais pas, je reprends encore ça, voilà, sur le fait de travailler avec des petits personnages, incarner des petits personnages dans un jeu de rôle, mais en ayant une conscience écologique, en disant on va travailler que sur du papier, plus de plastique, et trouver des... Là, techniquement, des mécanismes et des manières de plier, par exemple, ou d'imprimer, qui sont en cohérence avec ce que je voulais faire. Voilà. Mais en gros, c'est ça, le design, c'est ça. Et avec des contraintes. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, je te parlais un peu des sites de Mieke. Donc pour moi, le design, c'est vraiment c'est de la création sous contrainte. C'est pour ça que ça ressemble beaucoup au jeu quand on joue. C'est-à-dire que le jeu, on a des contraintes et c'est ça qui. C'est pas un jouet. C'est-à-dire qu'un jouet, c'est un ballon, le foot ou le rugby, c'est un jeu. Parce qu'on a mis des règles avec ce ballon. Et le design, c'est ça. C'est que tout d'un coup, t'as, je sais pas, t'es le roi du... Je dis n'importe quoi, t'adores fabriquer, je sais pas, ouais, des sculptures. Par contre, là, on te demande vraiment de faire une poignée de porte. Donc là, t'as des contraintes. Bah, t'as une main humaine, t'as une porte, t'as des hauteurs, t'as des matériaux, après t'as des coûts économiques, t'as des délais. Et donc là, il faut arriver à créer dans ces contraintes. Donc c'est ça qui intéresse... Enfin, qui moi me motive, en fait, qui te donne des idées. Mais c'est pareil, parce que toi, par exemple, on était à un rendez-vous avec Julien, donc, qui est développeur chez Volumic, et on a eu une réunion là, il n'y a pas longtemps, où on croyait que c'était de la prestation. Et en fait, là, on nous a donné le principe. Enfin, l'idée, je ne peux pas trop dire ce que c'est, mais en gros, on nous a donné l'idée. Voilà le cahier des charges, à vous de trouver l'idée. Et au début, on se dit, ça, tu vois, des fois, il y a des trucs, tu dis, waouh, c'est impossible de faire ça. Enfin, toi, tu dis, mais. Et en fait, en revenant, c'est là où les idées ont commencé à arriver, malgré les contraintes extrêmement dures au départ, où toi, des fois, il y a des projets, tu dis, bah, non, mais c'est pas... Enfin, toi, tu dis, bah non, c'est pas possible. Toi, j'imagine, même pour des ingénieurs et tout, toi, genre, quand t'as le président des États-Unis qui dit, on va aller sur la Lune, je pense qu'il y en a deux, trois qui ont dû faire, non, en moins de 10 ans, j'ai oublié de vous le dire.
Alors là, on n'en est pas à ce niveau-là, hein, on reste modeste, mais ces contraintes qui peuvent être extrêmes au départ. Alors des fois, on peut arriver à dire, bon, en fait, c'est pas possible, mais on va toujours trouver une solution, et ça, c'est intéressant. Et ça ressemble pas mal au jeu. Donc, des fois, tu as des règles, tu dis, mais comment je peux être créatif avec ces règles si contraignantes? Et en fait, tout d'un coup, en jouant, tu t'aperçois que alors, soit ton adversaire ou soit les gens avec qui tu joues ont trouvé des solutions, et toi, tu vas en inventer des nouvelles, tu vois. Et ça, c'est ça le design pour moi, d'arriver voilà, à créer une forme, voilà, à dessin. Voilà. Qui a un but particulier. Alors après, il y a des milliards de modes. C'est contrairement à l'art, on va dire, qui a moins de contraintes, en fait. Il y a toujours des contraintes, en fait. Mais où on ne va pas fixer, toi, un artiste contemporain actuel. En fait, il a des contraintes beaucoup économiques. C'est presque du business, maintenant, toi, l'art contemporain. Mais il a quand même des contraintes, mais moins dans sa forme. S'il a envie de faire des plumes, il fera des plumes, et quel que soit le prix. Et pareil, là, juste ce que je voulais dire, tu vois, un des trucs les plus durs que j'ai eu à faire, c'est, enfin, plus dur, ça va, dans la vie, c'est, pardon, donc Issey Miyake, le couturier japonais, il y a, je commence en 99, je crois, on va dire 2000, de 2000 à 2008 ou 2009, j'ai fait tous les sites web pour toutes les collections d'Issey Miyake. Donc, ça faisait 4 par an. Donc, 2 hommes, 2 femmes. Carte blanche absolue. Alors, au début, tu fais, waouh, confiance quand même. Tu vois, ils ont vu mon travail, ils m'ont dit on vend pas, on veut pas de texte ni rien parce que on est à la fois japonais, les défilés ont lieu à Milan et à Paris, donc italien, français, plus japonais, plus anglais, ça va être l'enfer de faire tout ça en 4 langues. Carte blanche, mais on veut voir juste une interprétation du défilé sur le web. Tu fais ce que tu veux. Alors tu dis ouais, génial, toi, c'est un beau cadeau. Mais en fait, c'est super compliqué parce que par quel. C'est à moi de me mettre des contraintes. Donc je me suis mis des contraintes moi-même. Je disais l'interface était toujours différente. Par contre, on n'a jamais cliqué sur un site web. Je me suis mis comme contrainte, on ne clique pas. C'est juste en bougeant ta souris, en laissant longtemps dessus, en soufflant même à un moment donné sur le micro. Mais je me suis imposé moi-même des contraintes. En plus, les contraintes étaient vraiment, il fallait montrer les vêtements. Mais honnêtement, le dernier site de Miyake, on ne voit rien. Tout est en pixel art. Enfin, pixel art, même pas, en ASCII. Okay. Et à la fin, ça se termine blanc, et quand on revenait sur le site, il était blanc, parce qu'on avait mis un cookie, tu le voyais qu'une fois. Tu vois, dans le genre radical, tu vois, et ils avaient accepté, hein, mais ça, c'était en cohérence avec l'expo, parce que l'équipe a arrêté, il y avait une nouvelle équipe qui arrivait, et à la fin, on a rajouté des trucs quand même, parce que l'équipe commerciale était là, c'est vraiment du sabotage, quoi, tu vois. Face comme je sais pas, t'as le dernier défilé, je sais pas quoi, Hermès, et en fait, t'as pas une photo, quoi, toi, t'as que des fonds blancs, quoi. Très très beau, mais... Quand même, toi, à un moment donné, ils vendent des chemises, quoi, ou ce que tu veux. Mais c'était vachement compliqué. Toi, sur le coup, j'étais super content. Enfin, toi, tu t'es dit, ah ben, vraiment, voilà. Et en fait, c'était très compliqué. Toi, j'en ai passé, hein, des crayons, enfin, toi, j'en ai fait des tests et tout. J'ai jamais autant bossé parce que... Alors que quand t'as des contraintes très fortes, voilà, tu te dis, bon, ben, je vais... Alors, soit tu casses tout. Toi, c'est pareil, j'ai entendu ça. C'est un designer, tu lui dis pas comment on fait un pont. Tu lui demandes comment on traverse la rivière. La vraie question, c'est comment on traverse la rivière. Après, que ce soit un pont, un hélicoptère, des bateaux à la nage ou un tunnel, c'est autre chose. Mais on ne dit pas, on ne demande pas, fais-moi un pont. C'est comment je traverse. Voilà. Et donc, c'est plutôt ça, les bons clients, entre guillemets, ou les bons projets. Alors après, ça peut se terminer par un pont. Hein. D'accord. Là, juste pour finir, toi, il est là, la Chamarande. On nous a contactés, c'est le truc en papier, là, tu vois, violet. Au début, ils nous ont contactés parce qu'ils voulaient faire une application géolocalisée dans leur château. C'est dans le sud de Paris et c'est à la fois un centre d'art. Donc, dans les bois, c'est très beau. Tu as des œuvres d'artistes aussi. Toi, par exemple, tu as des œuvres de Pennon. Alors, Pennon, c'est un artiste qui travaille justement avec la nature. Donc, c'est assez beau parce que tu es dans une vraie forêt et tout d'un coup, tu as une œuvre d'artiste, mais tu ne sais pas trop si c'est une œuvre ou pas. Donc, toi, par exemple, des fois, Pennon, c'est vraiment 3 bouts de bois posés au sol. Donc, des fois, du bois posé au sol, t'en trouves dans les forêts. Bref, c'était super intéressant. Et puis, en fait, je vais avec eux, ils me font une super visite. Et je leur dis, en fait, pour l'application, ça va être compliqué puisqu'on capte rien. Ah, tu vois, tu dis, on va continuer à faire un truc. Et donc, ça s'est fini par une sorte de carte pseudo-interactive, mais que papier, qui se déplie dans tous les sens. Donc, on a fait le projet. Mais tu vois, au début, ils étaient partis pour faire une application sur téléphone. Et ça s'est fini par un objet qui est plutôt beau. C'est une grande carte immense qui se déplie dans tous les sens et qui raconte l'histoire historique recto et au verso... Enfin, recto historique et au verso art contemporain. Voilà. Et qui est là plutôt pour avant ou après la balade, mais pas pendant.
Voilà. Donc tu vois, ça c'est un exemple tout simple, mais là c'était intéressant parce que tu vois, très vite tu dis, ben déjà techniquement, soit tu dis, tu télécharges l'application chez toi avant, elle va faire 300 mégas parce qu'il y a plein d'images, voilà. À moins de demander à Orange, toi, d'installer sur le château une bonne antenne, mais ça arrêtait d'être compliqué. Bon, ça c'est un exemple rigolo, mais ça c'est, toi, c'est toujours ça. Mais d'ailleurs, c'est super passionnant parce que si on te demande de dire, voilà, il faut faire des cubes en bois, bon, ben, t'es spécialiste des cubes en bois, mais le matin, moi, j'aurais du mal à me lever, quoi. Voilà, c'est, toi, c'est alors que là, au contraire, tu dis, bah tiens, on va trouver une autre solution, et puis ça s'est super bien passé. Enfin, voilà, en plus à la fin, ça fait un objet plutôt rigolo, quoi. Cool. Alors dernière question. Vas-y. Former quelqu'un, transmettre, tu prends des stagiaires, alors je sais que tu es prof aussi. Ouais, ouais, comme je suis prof, alors je suis professeur invité, donc c'est-à-dire que je ne suis pas là toutes les semaines, à Genève, à la Aide, donc c'est une école comme les Arts Déco à Genève, qui est vraiment super bien, et je donne pas mal des conférences. Toi, là, je vais à Aix la semaine prochaine, enfin cette semaine d'ailleurs, faire des conférences, et puis je vais, en ce moment, je vais pas mal au Gobelin. Où c'est juste une demi-journée. C'est-à-dire qu'avant, ils invitent, c'est pas mal ça au Gobelin, ils invitent des gens, des professionnels dans plein de domaines différents. Mais avant, ils travaillent par projet, par exemple, les étudiants. Et toi, par exemple, ils ont fait un truc sur les objets justement physiques et numériques. Ben, moi, je suis invité avant, il y a une game designer qui vient avant, il y a un spécialiste d'Arduino qui vient avant. Enfin, toi, pour leur montrer un peu la manière dont on travaille, et puis après, à eux de travailler, et nous, après, on va voir la fin. Donc, c'est marrant parce que pendant 2 semaines, on les voit pas. Puis on voit le résultat, qui est des fois justement pas du tout ce que nous on aurait proposé, mais c'est ça qui est intéressant. Donc ça, oui, ça je trouve ça super important. Alors ça va dans les deux, hein, c'est marrant parce que moi j'aime bien discuter avec les étudiants, parce qu'ils me donnent autant d'idées que moi je leur donne, je pense. Puis ça se passe plutôt bien, visiblement. C'est-à-dire que enfin, tu vois, moi, vraiment, quand je travaille avec les étudiants, ben, je travaille comme si c'était pour moi. C'est-à-dire que je prends mon carnet, puis je suis avec eux, je vois ce qu'ils ont fait. Alors c'est dur de pas imposer, parce que des fois tu vas... Toi, je disais, en tant que designer, toi, j'ai bientôt 30 ans de travail, tu as tes habitudes. Donc très vite, chez un étudiant, tu vois le truc qui ne va pas marcher. Enfin, toi, c'est un peu l'avantage d'être un peu plus vieux, de dire, bon, ben ça... Mais en fait, il faut les laisser faire, des fois. Toi, c'est ça, ils vont se planter, mais tu leur dis, hein, tu dis, attention, ça, j'ai un gros doute, mais vas-y, parce que tant que tu ne l'as pas expérimenté par toi-même, et c'est ça que je trouve c'est bien en design, mais c'est pareil pour un musicien, pour un écrivain et tout, c'est-à-dire qu'il faut se planter, ou comprendre soi-même que ça va pas marcher et trouver une solution. Et de toute façon, même si tu te plantes là, de toute façon, c'est toujours une marche pour une solution plus intéressante après. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, ouais, puis après, on prend des stagiaires des fois. Alors des fois, on a nos petits stagiaires de troisième qui sont en observation. C'est intéressant parce que eux, justement, moi, je regarde. Alors moi, j'ai des enfants, donc je vois un peu ce qu'ils regardent et tout. Mais c'est intéressant de voir la manière dont ils utilisent la technologie. Tu vois, par exemple, je ne sais plus quand c'était, moi je ne connaissais pas Tinder. Et on avait un stagiaire là qui avait 22 ans, un truc comme ça. Et tout d'un coup, je lui dis, tu fais quoi? Il me dit, bah, regarde, je te montre. Et là, tout d'un coup, tu vois, tu dis, waouh, je ne connaissais pas du tout ce genre d'application, c'était il y a un moment. Hein, mais et j'ai fait, ah ouais, c'est incroyable ce truc. Tu vois, j'avais un autre copain avec moi là, qui est du même âge que moi, qui dit, si j'avais eu ça à 16 ans, mais vraiment, Toi, tout d'un coup, grâce à ton stagiaire de 20 ans là, qui venait une semaine sur deux là, en alternance, tu découvres Tinder, quoi. Toi, alors maintenant c'est connu, hein, mais je pense qu'eux, ils l'ont eu très vite. Hein, toi, quand t'as 20 ans, je pense, c'était il y a 10 ans, hein, Tinder. Enfin, je sais plus. Enfin bon, en tout cas, c'était rigolo de tout d'un coup, tu découvres des trucs. Tu dis, ben ouais, il dit que tout le monde utilise ça. Je fais, ah bon, mais vite, je m'inscris. Donc non, mais ce qui est marrant, c'est de voir, c'est ça, c'est de voir la manière. Là, nous, pour les jeunes, c'est montrer, j'espère, un peu la manière dont on travaille, ce qu'on fait, j'espère que ça les inspire et que ça leur donne des idées. Visiblement, là, j'ai reçu une super lettre d'un jeune stagiaire là, en observation qui nous a remercié, tu vois, qui a écrit vraiment toute une lettre pour dire tout ce qu'il avait aimé ici, donc ça, c'est plutôt cool. Et puis, en même temps, nous, c'est une sorte d'effet miroir, quoi. Tu vois la manière dont... Ben, tu vois, par exemple, si tu vois pas un enfant de 8... Enfin, là, il va me falloir des enfants de 8 ans pour voir si ça marche, tu vois. Parce que sinon, moi, ça m'amuse, mais peut-être qu'un enfant de 8 ans va faire pff, ça. Ou ça, c'est déjà été fait, ou je préfère les Pokémon. A priori, oui, il préfère les Pokémon, mais il ne comprend pas la manière dont ça marche. Voilà. Donc, il y a cet effet d'aller-retour. Toi, il n'y a plus cette notion professeur, tu vois, maintenant. Les deux. Toi, à un moment donné, j'ai vu ça dans les années 90-2000. C'est-à-dire que les étudiants étaient plus forts que toi techniquement, avec les outils numériques. C'est qu'à un moment donné, toi, tu utilises ton Photoshop, ton, je sais pas ce que tu fais, ton Express, ton Unity, ton machin, mais à un moment donné, c'est plus toi qui vas leur apprendre la technique.
parce que ben on voit ça avec l'école 42, je ne sais pas si ça marche bien, mais c'est dans une école, ben moi c'est pareil, au niveau informatique à l'ENSAD, quand j'étais en 87-88 sur les ordinateurs, il n'y avait pas de cours, ben c'était entre nous. C'est un mec qui galère, qui dit bah, « Attends, moi je crois que quand tu appuies là, ça fait ça. Ah ouais, c'est marrant. » Puis tu as une sorte de petite culture comme ça qui se fait, les 10-15 personnes autour. Et donc techniquement, bah, tu montes, toute la classe en gros monte. Et donc à un moment donné, les profs bah, sont... Toi, c'est pas moi qui vais apprendre Photoshop ou je sais pas quoi, un étudiant. Quoi. Toi, il... Alors des fois, oui, curieusement. Des trucs tout bêtes hein, qu'ils n'utilisent plus, que nous on utilisait avant. Tu dis bah, « Tiens, il y a une autre solution, mais c'est très rare. » Donc ça, c'est assez marrant. C'est vrai, c'est les années 2000, hein, 2005, ça, j'ai vu ça. Où il y a... Alors, de toute façon, j'ai jamais fait des cours de Photoshop ou de Flash, des trucs comme ça, mais où tu voyais que... Et donc ça devient vachement plus intéressant pour les profs, où tu n'es plus en technique. C'est plutôt sur les projets, en disant... De quelle manière tu vas approcher ça, toi avec ta culture, la musique que tu écoutes, tes références graphiques et tout. Moi je leur montre, ils disent ah ben tu devrais regarder un clip des années 80. Toi je dis n'importe quoi, mais j'ai fait ça il n'y a pas longtemps, je ne sais plus sur quoi. Ou ils travaillent dans un domaine, je dis bah tu regardes, genre, merci YouTube, hein, mais je regarde en 1985 qualité VHS, mais regarde ce qu'eux ont fait. Dis, ah ouais, ça ressemble à ce que je voulais faire. Ben voilà, donc maintenant on rebondit dessus. Par exemple, ils ne connaissent pas très bien Michel Gondry. Toi en clip, je parle en clip, tu vois, tu fais mais ouais, et attends, étudiant en graphisme, en animation, regarde ce qu'a fait Michel Gondry, parce que c'est marrant, hein, parce qu'il il a, à part des gens qui sont fans, spécialistes des clips, mais en fait, ça fait 10-15 ans qu'il ne fait plus de clips, je crois, a priori, hein, je suis, et en fait, tu as les vieux clips de Michel Gondry où ils ne les connaissent plus, tu vois, donc tu te dis, alors que toi, pour toi, c'était hier, hein. Toi, moi, le clip de Gondry. Et donc c'est ça, c'est plutôt ça. Donc il y a un échange plutôt bénéfique des deux côtés, j'espère, de voir les derniers trucs qu'eux utilisent. C'est surtout la manière dont ils utilisent la techno. Enfin, la techno. Ou par exemple, qui joue. Tu vois, par exemple, ça m'a conforté là, de revenir dans les jeux de société parce que je me suis aperçu qu'ils jouent aux cartes. Toi, les étudiants de 20 ans, 22 ans, ils connaissaient tous Jungle Speed, ils connaissent tous les jeux, toi, les jeux classiques. Hein, ou beaucoup qui rejouent aux jeux de rôle. Je dis, ah, c'est marrant, vous jouez au jeu de rôle, vous, toi, il n'y a pas que les vieux. Et tout d'un coup, tu vois, bah, tu as dû voir, toi, une jeune génération qui rejoue au jeu de rôle, avec des règles un peu différentes et tout. Mais et tu dis, ah, c'est. Alors, c'est pas la majorité, mais quand même. Si, les jeux de cartes et les jeux de société, ils connaissent tous. Hein. Enfin, Jungle Speed, ils connaissent tous. Toi, tu dis, bon, bah, c'est cool, ça, parce que comme on travaille dans ce domaine, ça me rassure, quoi. Donc, enfin, me rassure. En tout cas, vous connaissez, il y a une culture commune là-dessus. Voilà, donc là l'enseignement, et puis pareil, moi je suis en train de faire mon site web, j'ai perdu un nombre de trucs, moi, les vieux du numérique, les SideQuest, les magnéto-optiques, tous les supports qui ne marchent plus, et où j'ai perdu beaucoup de projets, moi, en disant à l'époque, de toute façon on verra plus tard, en fait. Alors maintenant, je pense que c'est dur de perdre, hein, maintenant, avec tous les trucs numériques qu'on a, les trucs en ligne, les clouds et compagnie. Mais moi, j'ai perdu beaucoup de choses, et là, je suis en train d'essayer de récupérer petit à petit. Là, j'ai un copain qui est venu me voir avec justement un projet qui n'était pas sorti, sur lequel j'avais travaillé pendant 6 mois, et qui m'a donné le CD que j'avais perdu. Et là, moi, j'ai refait mon site web, perso, toi, j'ai mon petit site web, et où je vais mettre un peu en vrac, mais je vais mettre ça en ligne. Bon, si les gens que ça intéresse, bah, qu'ils y aillent, mais c'est surtout pour moi, en fait. De faire une sorte de... Bah, dès que je retrouve, toi, là, des tiroirs, là, j'ai des vieux disquettes, des fois j'ai des vraies disquettes, des vieux trucs et tout, puis on a des vieux ordinateurs, donc on les remet quand on a le temps, puis je dis, ah ouais, ce projet, je l'avais oublié, ou une police de caractère que j'avais dessinée, j'en ai dessiné une dans ma vie, je l'ai perdue, dommage, j'aimerais bien la retrouver, voilà, donc là, j'essaye de stocker tout ça pour le mettre en ligne, voilà. Mais c'est ce que je faisais avec, tu sais, blog, ça s'appelait Archive, mon blog, il s'appelle Archive, toi, c'est le premier nom que j'ai donné, mais c'est ça, c'est les archives pour ne pas les perdre. Voilà, donc, par exemple, le site Miaké, tout est fait en flash. À partir de décembre 2020, c'est fini, flash. Ce n'est plus supporté par aucun navigateur au monde. Donc j'en ai fait des vidéos. Toi, je me suis enregistré en train de le faire, parce que c'est dommage. C'est pas pour mon ego personnel, mais c'est juste pour le garder, quoi, toi, parce que c'est un truc qui ne pourra plus être lu. Donc alors peut-être qu'il y aura des émulateurs, des gens qui vont faire des trucs, mais sur le coup, là, j'en ai fait une vidéo. Un peu chiante, hein, parce qu'une vidéo d'un site web. Mais voilà, c'est stocké voilà, dans un coin. Voilà. Sur la question, c'était la passation, les choses comme ça. Ouais. Et puis peut-être qu'on va faire un livre. On m'a proposé ça, il va y avoir une expo au Signe, c'est au Centre National du Graphisme de Chaumont, l'année prochaine, dans un an. Ils nous ont demandé, parce que nous, ça fait 10 ans, on a 10 ans juste. Et j'aimerais bien... Tu vois, j'ai 300-400 vidéos de prototypes dans un coin, sur Vimeo, caché, qu'on ne montre pas, en fait. Hein. Enfin,
c'est pas pour frimer, dire il y en a plein, mais plein de ratés hein, qui marchent pas, mais souvent moi je prends mon téléphone, je le filme et je le stocke, et j'aimerais bien faire une sorte de catalogue de, mais même pour moi, parce que les idées reviennent en disant, ah il y a 8 ans j'ai fait ça, j'avais complètement oublié, et puis si ça peut servir aux gens, puis en donnant les fichiers. Toi, je sais pas si tu te rappelles, il y avait, comment il s'appelait un mec, le roi du flash, il y a très très longtemps, qui avait mis en vente son disque dur. Mec tatoué qui fait du skateboard américain. Comment il s'appelle ? C'était une star du flash. C'est grâce à lui que j'ai appris à coder en flash, parce qu'il donnait ses codes. Toi, c'est-à-dire que, tout bête, hein, mais il y a début dans les années 90, toi, tu voyais un mec qui avait fait des courbes sinusoïdales, toi, des animations avec des sinusoïdales, que par code. Toi, t'es là, merde, je vais arrêter en terminale. Comment je fais ? Et en fait, le mec donnait son code source. En fait, j'ai appris à coder comme ça. Et là, l'idée, plus ou moins la même chose, c'est de dire voilà les protos, voilà tout ce qu'on... Et lui, c'était vraiment son... Et à la fin, c'est marrant, il l'a fait, je l'ai en haut, il avait vendu un CD, c'était l'intégralité de son disque dur, donc ça faisait 640 mégas, hein, mais en vrac. Mais je trouvais ça plutôt cool, toi, de dire non, j'essaye pas de faire beau ni rien, c'est... Alors, je pense qu'il avait enlevé les trucs perso et tout, mais voilà tous mes fichiers sources de tous mes tests. Voilà. Et là, l'idée, ce serait peut-être faire ça. Donc, soit version PDF, enfin, je sais pas, on verra, mais ça, c'est une idée qui me plaît bien, de, à un moment donné, toi, tu dis, bon, ben, 10 ans... Voilà, s'il y en a qui veulent prendre, qui veulent l'améliorer, qui veulent jouer avec, voilà. Ça, c'est un truc qui est dans ma tête. Alors, on a un an pour faire l'expo, donc, mais ça passe vite un an. Mais surtout, réunir tout ça, parce qu'entre le boulot que tu as, toi, dans ta vie, donc, mais au moins, ça ne sera pas perdu, parce que j'ai perdu 6 téra. J'ai perdu un disque dur RAID, en plus, toi, 6 téra. Alors, plein de trucs redondants, mais je suis sûr que là-dedans, j'ai perdu des trucs que je ne retrouverai jamais, toi. Donc, il n'y a pas longtemps, il y a un mois. Je croyais que ça n'arrivait plus, là, perdre des disques durs. Ben, j'ai perdu 6 téra et tu fais « Ah !» Alors, sûrement plein de photos perso, de trucs plus ou moins débiles, mais des disques, de la musique et tout. Mais j'avais beaucoup de backups à droite à gauche, mais toi, c'est des backups faits il y a 6 mois, faits il y a 3 mois. Donc là, maintenant, je crois que le papier, ça dure plus longtemps que des supports magnétiques. Je crois qu'on va faire ça.